Bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Bonsoir, coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous m'avez manqué. Mais vous là, même savoir comment est-ce que je vais ou quoi. Personne n'appelle, personne ne me cherche. Vous ne me voyez pas, vous ne vous inquiétez même pas. Coucou mon bébé d'amour. Anouche, Anouche. Belle fille de sa génération. Vous ne m'appelez pas. Vous ne demandez pas que la femme, la vieille ou est là et où. Depuis là. Vous ne me cherchez pas. Et vous êtes toujours les premiers à dire, maman Pépé, je t'aime jusqu'à l'infini. Tu meurs, je meurs. Dès que l'abeille vous pique un peu, tchac. Maman Pépé, te déteste. Qui est maman Pépé, dis donc? Est mendiante. Bisous. Comment vous allez là? On partage, on envoie les cœurs. Ouh, mon Anouche de bébé de moi. Merci. Merci beaucoup pour les étoiles. Que le Seigneur bénisse le début de ta semaine. Que tout ce que tu désires, que le Seigneur te les accorde. Comme c'est sorti, que ça entre abondamment. C'est que ce week-end, tu as beaucoup dépensé, je sais. Je sais. Maman a farotage. Hé, hey, mon Léba Pépé, tu avais le Congo, ça. Mon Léba Pépé, tu avais le Congo, ça. Maman a farotage. Anouchka. Aïe. Ma fille, tu sais marcher avec les talons. Tu entends, non? Ouf, tu marches avec les talons. C'est-à-dire, je me revois à ta jeunesse, quand j'étais jeune comme toi. Hey, maman, à épaule carrée, l'enfant marche avec les. Ndolo mon bébé d'amour, gros bisous à toi. Maman, Anouchka marche avec les talons, c'est-à-dire. Maman, imagina tchakas, 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 tchakas. Les regards seulement. Les regards. Tout le monde me dit, la petite avec qui tu parlais là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est ma nièce, c'est ma nièce. Hey! Ouh! Maman, tu étais trop belle, tu étais trop belle, laisse. Deux personnes m'ont déjà appelé. On veut le numéro. Fais comment? Étais trop belle. C'est bien, il faut marcher les talons comme ça. Une femme est très élégante quand elle a un talon. Maman Lily, bisous. Oh ma copine d'amour. Oh ma copine. Oh. Oh mon bébé de moi. Oh, oh ma copine. Kota, tu sais que toi et moi on a signé le pacte, non? Tu sais que ma copine, toi et moi on a signé le pacte. C'est que c'est le Jacques. Tu meurs. Ils disent souvent, nos gens là disent souvent quoi? Tu meurs à 15h. Je meurs à 15h02. Wow, envoyez les cœurs pour ma copine. Oh. Envoyez les cœurs pour ma copine. Ma copine est dans la maison. Elle est dans sa maison. La maison où c'est elle qui tient le bâton de commandement que j'ai donné que ma côté d'amour. Je t'aime. Je t'aime, ma copine. Et partagez le direct, envoyez les cœurs. Quand ma copine est là, moi je suis toute excitée. Je suis comme une petite fille de 15 ans. Comme si je faisais des gens dans ma puberté. Hi, ma côté. Comment tu me fais comme ça? Dès que tu vois, manger les frissons, ma copine. Oh, Ndolé Miondo. Allez, non, que c'est lire. Hein. Vous allez m'excuser les autres là. Mes amours, je vous aime toutes et tous. Et les ma folle. Les noms sont un peu difficiles à lire. Vous savez que je lis ce qui est un peu. Voilà. Voilà, ça là c'est compliqué, c'est difficile. On partage le direct et on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Surtout que ma copine est dans le direct. Donc faites-lui honneur, envoyez les cœurs pour elle, s'il vous plaît. Et je voudrais que 20 personnes disent Flore, je t'aime. Que 20 personnes écrivent Flore, je t'aime. Allô? Oui, mon bébé. Attends, 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 je baisse un peu, attends. Vas-y. Fais. Et
Le Congo ça. J'ai dit que le mariage là, non. Le mariage là, non. Non, il y a le fougou. Connectez-vous, partagez. Il y a le fougou. Le fougou est beaucoup. Non, il y a le fougou. Maman, hé! Doudou, pour aller faire pipi, j'accompagnais Doudou faire pipi parce qu'il y avait les oiseaux de mauvaise augure dans la salle. À ce moment, j'ai dit qu'il y avait les oiseaux de mauvaise augure. Heureusement que ma belle famille était là, Nakangan. J'ai dit à la belle famille, vous suivez nos verres. Suivez nos verres. Dès qu'on tourne comme ça, seulement on suivait nos verres. Anouchka, alors, avait seulement les. Elle avait, Anouchka, elle avait les loupes là. Donc, c'est le Jacques. Et même ma belle famille, Anouchka, suivait ma belle famille. Ma nièce, oui. Ma nièce. Ben, ma nièce ne vient pas à la maison que quoi? Elle veut qu'on parte à la balade, sa mère, on la fouette. Fouette. Mais oui. C'est quand elle dit que maman n'a farotage. Quand elle parle, quand tu ne comprends pas. Maman n'a farotage, ça Anouchka. Oui. Allô? Attends, il y a quelqu'un qui est monté. Vous savez, laissez-moi d'abord finir, pardon. Laissez-moi d'abord faire mon direct et puis après, vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Laissez d'abord que je passe le direct. Attends, peut-être c'est ma copine. C'est ma fille, attends. Ma fille entre d'abord, elle dit un mot vite fait. Et puis je continue. Il faut que je fasse le direct d'abord. Anouche, je t'ai pris mon bébé. Il faut que tu commences à faire des directs pour donner les cours de marche des talons aux filles, s'il te plaît. Mais Tu le toi, montres tu viens pas. faire le Congo Il y en a ça qui portent des talons, mais elles sont pas, elles savent pas marcher pourquoi avec. Hein. tu viens faire le Congo ça de notre show, de nos choses en plein live? Les gens demandent quelle est la première maison. J'étais avant partir. Elle m'a dit, ma mère m'a dit, tu restes mon enfant à vie. Non, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Bon, j'ai toujours dit aux FI que vos conneries que vous faites là, ma mère et moi, on va se retrouver C'est mon ensemble. enfant. Vous êtes venus On se pour ça. retrouve au village. En fait, Hé, c'est la c'est mon enfant. famille, je n'aime pas les histoires de Facebook, elle et moi. Non. Certes, on a eu des problèmes, Et on aura ça arrive. toujours, On on aura toujours aura les problèmes toujours si on ne s'entend des pas. problèmes, mais Oui. la famille, elle sait qu'elle et moi, elle connaît, on se connaît, on se connaît. Elle et moi, on n'a pas besoin de parler. À Il chaque faut fois, c'est pas la mettre. première Il fois. faut que. Dès qu'on se Laisse-moi d'abord voit, le pivot. voilà, dès Il qu'on faut que tu me portes les talons et tu donnes les cours. Remplace-moi. Tu me fais les malondos avec les talons là, maman. Il peut tomber bien mon chapeau, mais mon fameux chapeau. Seigneur, j'ai pas voulu. Tu sais, comme j'étais pas très très en santé, donc c'est après là que j'ai dit que non, comment mon enfant est dans la salle. Et j'ai vu les oiseaux de mauvaise augure, j'ai dansé jusqu'à. Merde, c'était chaud, J'ai hein. Moi, c'est dansé. celle qui a appelé tout à l'heure, c'est moi qui ai fait ce Congo ça. La Ah, team. d'accord, oui. Elle me dit qu'il y a quelqu'un qui a dit là-bas. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. J'étais là, c'est moi, c'est moi. Je contrôlais ma mère. Oui, Non, elle était là, elle avait les loupes. j'avais les loupes, je guettais tout le monde. Les talons étaient comme ça. C'est la démarche que vous voulez voir, maman. Elle regarde droit. Elle regarde droit. Non, tu étais belle, ma fille. Franchement, quand c'est Merci, bien, mon je dis cher. c'est bien. Tu étais C'est belle. bon. Je Tu te étais fais très, ta très belle. conduite, je te fais un Ok, bisou. chérie, merci. Je t'en prie. Bisous. Bisous. Bon. Bonsoir, la TKC. Bonsoir les abeilles, bonsoir les sympathisants. Comme je disais dans la rigolade tout à l'heure, ça fait longtemps, ça fait plus d'une semaine presque que vous ne m'avez pas vu. Vous n'avez pas demandé après moi. Il n'y a que ma copine qui m'appelait de temps en temps. Que Kota, c'est comment, ça va, ça va. Il y a quelqu'un qui savait que j'étais un peu pas bien. Vous savez que je vous dis toujours que j'ai des germes de drépanocytose, donc il y a des moments, j'ai mes crises. J'ai aussi des petites crises, hein, pas... mais ça fait quand même mal, ça fait mal. Et ça me prend plus dans la vieillesse. Je ne comprends pas pourquoi. Ça me prend plus dans la vieillesse. Bref, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. C'est pour ça, depuis, je n'ai pas fait des tirettes. Et quand je prends mes médicaments, les anti-inflammatoires, ça me fait dormir. Et du coup, je suis fatiguée. Mais ce week-end, j'avais le mariage de mon beau-père. Donc, j'étais là-bas. C'était sur 2 jours. Donc samedi, dimanche, c'est fini hier. Oh, ma nièce aussi était là. C'est pour ça que je l'appréciais, elle était trop belle.
Je n'étais pas trop connectée, quoi. Je n'étais pas très, très connectée. Mais je sais que je vois ce qui se passe un peu, pas beaucoup. Je ne suis pas très, très informée. Mais vous savez que quand on est en famille, la famille reste la famille. Surtout le virtuel reste le virtuel, la réalité reste la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas compris comment se servir de Meta. Nous, Flore et moi, nous avons déjà compris comment se servir de Meta. Donc du coup, ce qui se passe, moi, ça me fait rigoler parce que ma copine a dit qu'elle va vous mettre là. Il n'est pas permis de parler de ça. Et vous tombez tous. Et c'est ça le but, en fait. Bref, ce direct, c'est pour parler de tout ce qui se passe. Hein. Et dit que, copine, Fleur de Lille, toi et moi, ce n'est plus une histoire du virtuel. C'est une histoire de réalité. C'est une histoire déjà de famille. Aujourd'hui, je ne te considère pas comme une amie. Je te considère comme une sœur. Parce que tu m'as montré ton amour. Tu m'as montré que déjà, tu es très protectrice. Alors, notre relation, ce n'est plus les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Notre relation est même plus forte que certaines personnes ne peuvent même pas imaginer. Et pour ça, je te dis que, en toute sincérité, je suis avec toi aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis prête à tout pour préserver notre amitié. Je suis prête à tout. Parce que toi et moi, on en a souffert. Je ne peux pas venir dire devant tout le monde ce que nous parlons derrière. Mais quand je t'entends parler avec Marie-Josée, j'entends comment vous parlez, j'ai la chair de poule. La façon que tu te comportes avec moi maintenant, la confiance que tu me donnes, c'est la même confiance que je vais te donner aussi. Donc j'aimerais que nous savions, nous sommes les rusés des réseaux sociaux. On connaît comment ça se passe. Et la personne avec qui, en ce moment, que tu as mis le coup d'envoi, tu lui as donné le coup d'envoi parce que là, elle est en train de bagarrer toute seule pour le moment. Tu as fait un seul direct, un seul. Tu m'as dit que tu t'en vas manger ailleurs maintenant. Je suis au courant de tout. Cette personne, donc, qui sont dans les ténèbres, c'est des gens que quand on a faim, on va manger là-bas. On pêche, on choisit dans le lot, dans le tas, on pêche une. On mange, on choisit quelle sauce on mange avec, on mange. Elles sont légères. C'est comme ça que j'aime te voir faire tes directs. Tu fais tes directs dans l'élégance, dans le calme. Tu ne luttes pas. On ne lutte pas. Quand tu luttes, tu sais, les réseaux sociaux, les gens des ténèbres là, je connais les gens des ténèbres plus que toi, tu ne les connais pas. La reine des ténèbres, là, c'est sa vie qu'elle prend souvent quand elle vient te clasher. C'est sa vie qu'elle prend pour venir raconter, mettre ça sur quelqu'un, la personne avec qui elle veut clasher. J'ai entendu, oh, voilà, c'est bien mon bébé, j'ai vu ton doigt. J'ai entendu que on m'a appelé, hein. Moi, je ne l'ai pas entendu parce que j'étais très occupée et très malade. On m'a informé que on a dit que ta copine voulait qu'on pas t'enfermer, qu'il y a un maire qui devait t'enfermer. Je vous avais dit ici que le maire là, je connais le maire là depuis. Ce maire là, c'est un ancien danseur de quoi ça. Il dansait avec les Aboyoyo, les Okemba. Tous, la plupart sont morts, il n'y a que lui qui reste même. Il va m'enfermer, qu'il est maire, son nom c'est maire. Donc ma copine va partir dire, bref, ma copine. Tu as fait le Congo ça de mon nom, moi alors il fait le Congo ça de ton nom tous les jours. Maman, on se tue ce matin au Congo ça. Hé, hey, Kota! Voilà notre...
Quand Flo et moi s'appellent, c'est Kota. Je m'en vais. Kota, je m'en vais. Kota. Là où c'est là où c'est scellé là. Là où c'est scellé là. Pour déceler ça. Le Satan ne peut pas passer là parce que c'est lié. Jésus est assis dessus comme ça là. Satan peut lever Jésus là où il est assis. Non. Non. Donc, ma copine, tu as tout mon soutien. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi à n'importe quel moment. Nous, quand on va en guerre, nos enfants là, mais nous-mêmes, la guerre ne nous dépasse pas. Quand on veut partir en guerre, on part en guerre. On n'a jamais demandé le renfort à quelqu'un. On n'a jamais demandé le renfort à quelqu'un. On remercie toutes ces personnes qui nous soutiennent, mais nous-mêmes, nous sommes des combattantes. S'il faut combattre, on combat. Oui. Donc, ma copine, je te souhaite déjà beaucoup de courage pour maman Anna. Continue à prendre tes bénédictions chez maman Anna. Prends ça abondamment. Prends tes bénédictions là-bas. Même Marie-Josée t'a dit que ma fille, prends tes bénédictions. Tout ce que tu fais pour ta mère, c'est des bénédictions. Il y en a ici. Les mamans sont mortes, elles n'étaient pas là. C'est une grâce d'enterrer ta mère. C'est pour ça que ta yam sœur, sa sœur, c'est sa sœur qui la domine, sa sœur a pris tout le pouvoir. Parce que c'est elle qui gardait leur mère. Et leur mère continue à me hanter qu'il faut enlever sa photo sur le radiateur. Il y a des personnes quand même que vraiment, quand tu veux me clasher avec la personne, tu regardes ton parcours. Kota. Kota, tu n'es plus au niveau là. C'est les gens que quand tu as faim, que comme tu es posé en ce moment-là, comme on a parlé là par rapport là, tu pars dans le groupe là, tu fais comme ça, tac, toi je te mange aujourd'hui, tu manges. Et ça ne chauffe pas. Est-ce que tu transpires quand tu parles d'eux? Tu les vois, ils sautent là comme ça. Bref, ce n'était pas d'eux que je voulais parler. C'était une parenthèse. Mais ma copine, je voulais juste te dire, je t'aime. Et sache que je serai toujours avec toi. Moi, je suis très sincère. Très, très sincère. Quand je dis j'aime quelqu'un, j'aime vraiment. Voilà. Et surtout que maintenant, toi et moi, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on s'appelle. Et je suis très heureuse par rapport à ça. Maintenant, le reste des personnes que ça énerve, j'ai pas envie de dire un gros mot. Les gens, si la méthode à nous met l'œil, hein. Comme on voit que là, mais ils nous mettent aussi l'œil. J'ai pas envie de dire le mot, mais vous comprenez, vous savez ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, donc gros bisous à toi, ma copine. C'est pour toi. Maintenant, je vais parler le cas de mon enfant, ma soeur, Ndolo Moulima. Je dis toujours à certaines personnes que les réseaux sociaux, le virtuel et la réalité, c'est deux choses différentes. Le virtuel reste le virtuel. Il y a des personnes qui m'insultent dans le virtuel que je ne connais pas dans la réalité. Il y a des personnes qui me traitent de tous les noms, qui vont venir dire qu'ils connaissent quand j'ai fait pipi hier, quand je n'ai pas fait pipi. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ne connaissent pas d'où je viens. C'est le virtuel. Mais j'ai envie de dire quelque chose aux gens. J'entends qu'on fait les menaces à Ndolo Moulema. J'ai jamais dit à Ndolo Moulema de partir. Elle en a eu marre. Ça peut arriver. C'est normal. C'est loyal. Elle a fait le boulot qu'elle a voulu faire. On n'avait pas de contrat. Ndolo Moulema a décidé de prendre de l'envol, de voler de ses propres ailes, où je l'encourage. Donc, si Ndolo Moulema dit aujourd'hui qu'elle monétise sa page, je ferai comme j'ai fait avec des autres. Je vais partager les directs,
que je saurai que c'est des directs qui peuvent lui faire gagner aussi. Donc, les personnes qui se disent que j'ai des problèmes avec Ndolo Moulema, vous vous frouez le doigt dans l'œil. J'ai aucun problème avec elle. Il y a eu un malentendu. Elle s'est fâchée. Je vous ai dit que Ndolo Moulema, c'est une étonne. Mais bagarrante. Elle a le sang qui chauffe. Elle s'emporte vite. J'avais le sang comme ça aussi. Mais avec le temps, avec la vieillesse, j'ai commencé à m'assagir. Elle a le sang qui chauffe. Elle va vite. Mais jamais. Elle et moi, on a un problème particulier. Elle est partie parce qu'elle voulait partir. Mais c'est encore mieux, comme j'ai dit la dernière fois, que nous restons dans la famille, que de travailler ensemble. Parce que quand tu travailles avec la famille, même souvent, après, il y a les luttes, il y a les bagarres. Oh non, pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça là? Mieux. Elle et moi, on reste dans notre amitié comme on a été avant les réseaux sociaux. Parce que nous, notre amitié, c'est avant les réseaux sociaux. Ça n'existait pas les réseaux sociaux quand notre amitié a commencé. Pas comme celle-là maintenant, là. Parce que maintenant, là, c'est une autre dimension. Pour ceux-là qui disent que moi, j'ai régné Ndolo Moulema, rectification. J'ai jamais régné Ndolo Moulema. J'ai jamais régné Ndolo Moulema. Tout est là, dans mes tas. C'est un endroit où j'ai régné Ndolo Moulema. Sortez ça. J'ai jamais régné Ndolo Moulema. C'est elle qui s'est fâchée. Elle est partie dans le direct de l'autre là-bas. Je ne prononce pas son nom. Parce qu'elle-même aussi, je n'ai plus à prononcer son nom. Dit là-bas qu'elle, elle n'est plus là. Mais jamais moi, Maléba Perpétue. J'ai régné Ndolo Moulema. Ndolo Moulema reste ma soeur. On a travaillé ensemble. On continue à être ensemble. Il y a combien de TKC qui sont partis? Mon général Marmac était parti. Mais je suis en contact avec Marmac. Quand j'étais au Cameroun, j'étais avec Marmac dans la même maison. On dormait ensemble. Mais vous avez dit ici qu'elle m'a laissé tomber. Elle avait ses raisons. Et j'étais même plusieurs fois, j'ai fait des directs pour vous dire qu'elle s'est repentie. Elle a donné sa vie au Christ. Moulemala. Je vous ai toujours dit qu'on ne se connaît pas. Dans Meta. Si aujourd'hui elle est sur les réseaux à fond, c'est à cause de moi. J'aurais appris qu'elle a fait un direct où elle était en train de pleurer. Ça, déjà, je suis très énervée, Ndolo. Très, très énervée. Je te connais pas comme ça, là. Les chiens ne font pas les chats. M'a vu pleurer pour parce qu'on m'a insulté sur les réseaux ou parce qu'on m'a harcelé, j'ai pleuré. Tu as entendu qu'on m'a harcelé ici, j'ai pleuré. Tu as entendu qu'on a harcelé ta tante Flo, elle a pleuré. On pleure quand c'est nécessaire. Parfois, l'émotion nous fait pleurer. Moi, surtout, je pleure d'émotion parfois. Parfois, je pleure d'émotion. Je ne voudrais plus jamais entendre Ndolo. Que tu as mis ta caméra et tu es venu pas pleurer parce que on t'a harcelé. On t'harcèle, c'est très facile sur Meta, tu bloques. L'administrateur qui est là, elle est bloquée. Elle ne rit pas. Elle ne passe déjà, elle ne connaît pas qui est cassé, qui est abeille, qui est qui. Elle connaît seulement Flore et Maliba. Donc, là, elle, l'autre jour, elle a bloqué quelqu'un parce que la personne a dit c'est quoi où? Elle n'a pas bien compris le sens. Elle a bloqué. Elle bloque. Donc, je tiens à vous rappeler ici que ici, c'est les caresses. Tu insultes Flo dans mon direct. Elle te bloque. Elle le sait. Que la maison, si, nous payons ça à deux. Moitié, moitié, Flo et moi. On paye le loyer ici à deux.
Donc, les personnes là qui disent qu'ils étaient de la TKC avant, moi je ne l'ai jamais connu. Je ne les ai jamais connus. Si ils ont des preuves qu'ils m'ont un jour donné quelque chose pour mes orphelins, qu'ils viennent montrer. Les gens qui pleurent là-dehors, là, que oh, oh. Ndolo, tu sais que toi et moi, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Et tu sais que je t'encourage dans ton blog. Tu le sais très bien. Et si tu aimes dans les réseaux aujourd'hui là, c'est parce que j'ai parlé avec mon beau-fils. Tu sais que mon beau-fils est comme ça. Tu le sais, non? Que c'est moi. Allô? Et la rame. Moi, je ni va, c'est bien bien. Agnou li Brésil, Nati Béaka, ma chouron ni Camerounji, ou la li essayé. Obie yé wongale, obie aïe. Excusez-moi. Vinaigre, obie vinaigre, yara. Obie citron. Un somme citron, somme citron, qu'un somme citron, somme citron. Oui, on a les bons, toujours pareil. Hein, on a les bons, les pareils. Dit, on va en Gandak. Il est mâchoiron, il est surtout il est mâchoiron inké, ni tonné Sénégal. C'est le mâchoiron yaha. Donc, bon, toujours pareil à Kaobongo, Dingolo. Voilà. On dit, il se met au soyo automatiquement la citron. Qu'un somme citron. Oignon vinaigre blanc. Et on l'a obligé. On l'a obligé. On l'a obligé. L'encou. On l'a obligé. Sinon, voilà l'encou. Au vent coumbé. Au vent mindjim la vinaigre tonne la citron. Ok. Oyama, hein, problème c'est Oyama. Qui ne va vouloir ni homme. Vraiment un bisou. Donc, Dolo, j'ai dit à ton mari que non, il y a des personnes qui sont venues ici après elles, qui aujourd'hui ont leur petit pain, qui gagnent quelque chose. Pourquoi pas aussi elles? Il m'a dit que mais il fallait m'expliquer doucement parce que je vous dis qu'elle a le sang qui chauffe. Mon beau-fils m'a écouté parce qu'il m'aime beaucoup. Je vous dis la vérité, il m'aime beaucoup. Et quand on dit que je suis en froid avec Ndolo, nous on se parle tous les jours. Sauf que elle a dit que maintenant, elle veut voler de ses propres ailes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, la maman, la grande soeur et tout, tu pousses devant que vas-y aussi. Ne sois pas égoïste. Comment les autres mangent, elle ne sait pas manger. Je lui dis tous les jours qu'il faut faire tout pour monétiser ta page. J'entends qu'on lui dit qu'il ne faut pas qu'elle coupe les vidéos où on les insulte. Ce qui est sûr, c'est que qu'elle coupe, qu'elle ne coupe pas. On nous insulte déjà. C'est ce qui est important dans les directs, les vidéos qu'on coupe, c'est le titre qui est important. C'est le titre qui est important. Ne regardez pas qu'on est en train de nous insulter, parce que quand on nous insulte là, il y a les 2000 vues là-bas, là, il y a les gens qui regardent. Donc, qu'elle le mette pas, les gens regardent déjà où on nous insulte. Et nous tous, on sait très bien que les coupures des vidéos là, c'est le goût. Ça te guille les dos. Donc, vous ne pouvez pas dire à Ndolo de ne pas couper les vidéos. Qu'elle coupe les vidéos qu'elle veut couper. Vous ne pouvez pas l'interdire de couper les vidéos. Vous ne pouvez pas lui dire de ne pas couper les vidéos. Non. C'est comme si. Pourquoi vous, c'est pour ça qu'on dit souvent que la familiarité engendre le mépris. À force de se familiariser avec certaines personnes, ça fait qu'on veut te commander, on veut prendre le dessus sur toi. Non. Non. Chacun est libre de gérer son blog comme il veut. Maintenant, si tu es en train de faire un direct qui ne me plaît pas, je passe. Si ça ne me plaît pas, je passe.
Comme ma copine dit souvent, le seul direct que moi je regarde, c'est pour elle. Hein. C'est pour elle que moi je regarde. Il n'y a que elle que je suis. Et Nicole. Et parfois Ndolo aussi. Le jour, même si je viens après, je partage seulement. Et mon neveu, Samé. Quand ça me parlait les choses que quand il jouit, tout ça là, parfois j'écoute, parfois je n'écoute pas. Mais mon rôle à moi, ma contribution envers eux, c'est de partager seulement. Je partage du peu que je peux partager. Mais vous ne pouvez pas venir dire à Ndolo qu'elle arrête de couper ses vidéos. Non, elle coupe les vidéos qui l'intéressent. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des vidéos. Voilà Mborosangi qui coupe nos vidéos depuis. Elle mange l'argent dans nos vidéos. Qui peut aller lui dire là-bas que ne coupe pas? Qui? Même les gens avec qui j'étais hier coupent maintenant nos vidéos, mes vidéos aussi. Ils décryptent même. Jusqu'à je les vois, ils font. Ils disent que ma sainte Ndolo, je t'avais dit. Vous connaissez Ndolo dans le virtuel? Moi, je ne connais pas Ndolo dans le virtuel. J'ai dormi avec elle sur le même lit. J'ai mangé avec son mari dans la même assiette. On a fait la sieste toute une journée. On fait des siestes toutes les journées. Est-ce qu'on a tout, c'est tout qu'on vient toujours monter sur les réseaux? J'étais à un mariage ce week-end. Vous m'avez fait le direct, je n'ai pas fait le direct. Il y a un moment où on dit qu'il faut aussi vivre un peu reculé. Donc, Ndolo. Tu coupes la vidéo que tu as envie de couper. Si tu as envie de couper une vidéo, tu coupes ce qui te plaît. Si quelqu'un te harcèle, tu connais où on appuie, bloquer. Alors, pour ceux-là qui disent que sa mère l'a régné, je n'ai jamais régné Ndolo. C'est Ndolo plutôt qui m'avait régné. Me régner dans quel sens? Dans le sens de méta. Elle ne m'a pas régné que. Comme on se dit bonjour tous les matins, on ne se dit plus bonjour. On peut se bouder 2 jours. Elle connaît mon fonctionnement. C'est parce que je peux mettre des voices. Elle connaît mon fonctionnement. Quand elle me laisse le voice, quand je boude, elle dit que oui, comme tu boudes là alors, quand tu finis de bouder, appelle-moi. On règle ce qu'on a à régler. C'est comme ça là. Si ce n'est pas qu'elle venait parler chez les traîtres, là, les gens qui font comme s'ils étaient avec nous là. On n'allait pas savoir que nous, on a des problèmes. C'est parce qu'elle était, elle en avait marre, quoi. Elle était fâchée. Je la comprends. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis venue la régner. Je ne l'ai jamais régnée. Je ne peux pas traverser le sang de Ndolo. Jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas traverser son sang. Et je n'ai non plus peur que peut-être qu'elle me tient sur quelque chose. Non. Ça, je vous rassure déjà que je n'ai pas peur de ça. Vous savez, non. Non. Elle et moi, on a une autre relation. On n'a pas une relation des réseaux sociaux. Donc, Ndolo, moi, je te dis, je ne te donne pas d'ordre. Ton blog, tu gères ton blog comme tu l'entends et comme tu le sens. Tu veux couper une vidéo que tu sais que ça peut te rapporter quelque chose, maman, tu coupes. Même si c'est la vidéo où on est en train de laver le tot, mon tot, mon. Tu coupes. C'est le titre qui est important. C'est ce que tu mets en haut qui est important. J'ai entendu quelqu'un qui disait que il faut que si tu n'enlèves pas sa vidéo sur ta page, elle va afficher ton mari et toi et tout. On a affiché tout le monde ici qui est à moi. On a mis le ton de Momoko aussi qui dit que tu veux que je t'attache. N'est-ce pas, c'est pas écrit sur la gueule. On a mis pisser, n'est-ce pas? Elle m'a bien dit que pisseuse internationale, c'est devenu comme qui est morte. Donc, si, je connais mon beau-fils. Il n'est pas laid, il est beau. C'est l'avantage que tu as. Toi-même, tu n'es pas laid. Tu nous montres à ton Ndumbolo. S'il veut t'afficher, tu lui as dit, allez-y. Ça te fait du bien. Hein? Mais on les a affichés. S'ils ont nié que ce n'était pas eux, qu'est-ce qui va prouver que c'est toi? Ils vont venir te prendre la photo comme un tchak. Hein? Voilà. Donc, je ne suis pas contente du fait qu'on me dit que tu as pleuré. Ne montre pas sa faiblesse à son ennemi. Non. C'est pas bon. On ne montre pas la faiblesse à son ennemi. La personne qui met les mauvais commentaires, on va vous bloquer. La personne qui m'insulte et qui insulte Flore, on vous bloque. Parce que ici, c'est la maison de Flore et c'est la maison de Maléba. Ça, je dis ça à qui veut l'entendre.
qu'elle s'asseye sur moi. J'adore quand Flore s'assoit sur moi, vous ne pouvez pas imaginer. Quand Flore m'aspire, elle aspire mon énergie comme ça, là, oui, mon bébé, quelqu'un fait un mauvais commentaire, tu bloques. Quand Flore m'aspire, ça me fait prendre les kilos, ça me rend encore rayonnante. Donc, j'aime quand même aspirer. Maintenant, les polémiques, vous savez comment ça se passe. Que sur les réseaux, chacun tire la couverture de son côté. Chacun veut dominer. Chacun veut montrer que je suis, je suis, je suis. Pour l'instant, c'est un corps à corps qui ne m'intéresse pas trop pour l'instant. Vous savez que je pars au pays, faire mes œuvres. Je devais fermer mon PayPal depuis la semaine dernière. Je n'ai pas pu fermer parce que je me suis rentrée sans renseigner chez mon banquier. Apparemment, je peux faire le transfert 2 jours après, je touche. Donc, je ferme mon PayPal jeudi. En attendant, ceux ou celles qui pourront toujours continuer à contribuer, c'est ouvert, hein? Celles ou ceux qui veulent encore continuer à donner, même au niveau du pays, le PayPal est là. Vous pouvez contribuer. Vous pouvez faire des mandats. Vous pouvez contribuer à votre façon. C'est toujours la bienvenue. Donc, il y a toujours le lien de PayPal là. Vous pouvez toujours continuer à donner ce que vous pourriez. C'est toujours le bienvenu. Mon départ est imminent. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Nous sommes déjà entrés au mois. Je ne donne jamais les dates de départ. Je laisse toujours le suspense. Si je pars le 20, je dis toujours je pars le 5. Si je pars le 6, je dis toujours je pars le 4. Donc, vous devez comprendre que mon départ est imminent. D'accord? Donc, n'hésitez pas, toutes ces personnes qui ont envie de donner le sourire aux personnes âgées, aux handicapés, aux orphelins, n'hésitez pas, donnez votre quote-part. Et sachez que quand vous donnez, vous recevez. Je sais de quoi je parle. Quand vous donnez, vous recevez. Et quand vous donnez, sachez que vous donnez à ceux qui en ont besoin. Et je vais dire comme ça, merci à Tata Doudou, qui est même dans le malheur en ce moment, mais qui s'est battu, qui a donné sa quote-part, sans faire de tapage. Tata Doudou a donné sa contribution depuis, ça fait déjà presque une semaine là. Donc merci à toi, Tata Doudou, et mes sincères condoléances encore. C'est pas facile, mais c'est le passage de tout le monde. Hein. Malgré que elle pleure le père de son fils, elle a tenu quand même aussi à donner quelque chose à ses enfants et à ses soeurs handicapées et ses papys. Donc merci comme ça à Tata Doudou. C'est pour ça que je vous dis souvent que. Pardon, ça ne parle pas. Quand on veut faire du bien, on ne fait pas de tapage, on ne fait pas trop de bruit. On ne fait pas trop de bruit. Vous savez que les tonneaux vides aiment trop faire le bruit. Le tonneau vide aime trop jacasser. Pourtant, les personnes même qui contribuent, qui aident ceux qui n'en ont pas, ne font pas de bruit. Ne font pas de bruit. J'ai pas eu le temps de remettre les 100 euros de l'autre parce que je vous dis, j'étais malade. Moi, je connais pas le faire. Il faut que je demande qu'on m'aide à le faire. J'ai pas pu le faire encore. Mais ça va se faire. J'ai pas pu le faire. Mais soit aujourd'hui ou demain matin, à la première heure, ça va se faire. Les femmes. Qui disent, parce que les femmes qui ont de l'argent, les hommes qui ont de l'argent, les gens qui ont de l'argent ne font pas trop de tapage. Ils agissent. Et quand ils agissent même, la plupart des temps, souvent, ils ne veulent même pas qu'on soit au courant.
Donc, laisser le folklore qui se passe sur la toile là. Que ils n'ont pas, ils ont fait que non. Il faut laisser. Celui qui fait ne parle pas. Celui qui fait te surprend. Oui. Vous avez vu Buta Cosmétique ici. Femme qui ne parle pas. Elle agit. C'est comme ça. Et je vous avais toujours dit que le couple médecin, ils ont toujours contribué à mes œuvres sans faire de tapage. Ils ne sont jamais venus dire que, lancer le direct pour dire que, bon, ma petite sœur, voilà ce qu'on te donne. Jamais. Mais ils ont toujours contribué. Ils m'ont toujours encouragé dans ce que j'ai toujours fait. Toujours. Donc, vous pouvez continuer toujours à cotiser. Et ceux qui sont au pays, les vêtements, tout ce que vous avez, n'hésitez pas. Matata, voilà, il y a une jeune dame qui m'a appelé aujourd'hui, qui doit aller au Cameroun, là, dans la semaine. J'ai pas son numéro est sur l'autre téléphone, là. Qui a perdu le passeport de son enfant à l'ambassade. À l'ambassade, je ne sais pas si c'est l'ambassade du Cameroun. Si quelqu'un aurait vu ce passeport, prière de me contacter inbox. C'est très important. C'est pour son enfant, parce qu'elle va au Cameroun et elle a perdu le passeport de son enfant. Donc, je pense que j'ai tout dit. Et pour Nicole, la petite Nicole, c'est dur, hein? C'est compliqué, mais il y a des choses de famille que j'aime pas. Moi, j'aime pas souvent. Si vous avez remarqué, moi, je ne me mêle pas de tout, hein? Il y a des sujets. Moi je ne parle pas partout, moi. Non. Je me concentre sur ce qui me plaît et qui m'intéresse et qui va. Je ne m'éparpille pas trop. Bon, de temps en temps, parfois, je m'éparpille aussi, hein? On va pas mentir. Je ne vais pas faire comme Jésus sainte. Moi, je vois déjà. Mais en ce qui concerne Nicole, vous savez, on a des mamans ici, surtout nos mamans qui sont en Afrique là. Ils comprennent pas souvent parfois la situation. Je me mets comme ça, parce que la lumière vient comme ça. Il y a des mamans qui ne comprennent pas notre situation. Les mamans qui peuvent pousser leurs enfants à aller vendre du piment. Quand ton enfant te donne, surtout dans les conditions dans lesquelles l'enfant est arrivé dans ce pays, il faut respecter ça. Si ton enfant décide de te donner 50 euros ou 20 euros tous les mois, prends avec les deux mains, tu dis, tu continues à prier que ton enfant puisse avoir plus que ça pour te donner. Parce que vous ne savez pas dans quelles conditions nous vivons dans ce pays. Il y a des filles que je connais qui sont arrivées ici, qui étaient obligées de vendre le piment parce que sa mère a dit. Parce que sa mère a dit que la fille de telle, ça a rejeté l'appel. Parce que sa mère a dit que la fille de telle a acheté la voiture et a envoyé à sa mère. L'enfant se retrouve en train de faire des choses qu'elle ne devait pas. Bonjour. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, Perpétue. Bonjour, maman Perpétue. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, j'appelle. C'est la première fois, je pense, hein, que j'appelle dans ton direct. Et le sujet m'a fendu le cœur. Quand j'ai vu Nicole pleurer aujourd'hui, j'ai eu mal, hein. J'ai eu tellement mal parce que je pense que c'est un sujet on devrait mettre sur la table, au fait. C'est un sujet assez pertinent parce qu'elle n'est pas la seule qui souffre de ça. Moi, je vous parle personnellement de moi. Moi, j'ai bloqué mes parents sur WhatsApp. Moi, personnellement, j'ai bloqué mes parents sur WhatsApp. J'ai bloqué ma maman carrément sur WhatsApp. Parce que après, lui avoir envoyé 150 000 francs CFA chaque mois, dès qu'elle reçoit de l'argent, elle m'appelle, me dit que je dois construire, je dois toller sa maison au village. Elle me mettait tellement la pression que pour ne pas avoir un AVC, j'ai dû la bloquer sur WhatsApp. Ce que Nicole dit, plein de personnes vivent ça. Ce que Oui. Nicole comprend, Nicole va comprendre que
plein de personnes vivent cela. Et ça m'a tellement fait mal de voir, en plus, sachant ce qu'elle a traversé sur la route avant de venir se chercher, je ne pense même pas que cette maman a pris 5 francs pour lui donner pour dire, ma fille, va te chercher. Je ne pense pas. Je pense qu'elle a dû prendre des économies pour pouvoir prendre la route pour venir se chercher pour sa grand-mère, comme elle a dit. On va dire que non, elle a manqué. Moi, je n'encourage pas. Je ne veux pas qu'elle manque de rester à sa maman. Mais je veux que. C'est vrai que ce que Flore fait sur la toile, on apprécie. On dit, elle s'occupe de maman Anna. Elle s'occupe de sa maman, ça donne envie. C'est vrai, c'est bon. Mais je pense que nos mamans prennent ça de la mauvaise manière. Flore a dû vécu en France. Flore a pris du temps. Elle n'est pas arrivée et le lendemain, commencer à envoyer l'argent à ses parents. Il a fallu qu'elle se cherche. Il a fallu qu'elle se trouve avant de commencer à prendre soin de maman Anna. Pourquoi c'est 10 ans après qu'elle fait venir sa maman en France? Parce qu'il a fallu qu'elle prenne du temps pour se stabiliser. Il faut vraiment que vous puissiez en parler. Vous qui avez pris sur vous de vous montrer de visu, vous devez parler pour que les parents comprennent que ce sont eux qui nous envoient nous nous prostituer. Ce sont eux qui nous envoient nous nous prostituer parce qu'on va dire, regarde, Flore a fait venir sa maman en France, regarde comment Flore s'occupe de sa maman, regarde comment ta cousine qui est partie en Belgique, déjà là, même pas 6 mois, elle a envoyé une voiture à sa maman ici au Cameroun. Faut C'est faire, ça. faut faire, faut faire. C'est Ça ça. fait mal. Ça fait parce que quand on fait ça, là, qui aimerait voir sa mère souffrir? Personne. Donc forcément, on va aller entrer dans le famla, excusez-moi du terme, on va aller mettre nos mains dans, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on veut venir calmer le cœur de nos mamans, mais après, ce sont elles qui vont nous pleurer demain, parce qu'on aura mis nos mains où il ne faut pas. Ça m'a fait pleurer, j'ai pleuré parce que je dis, mais elle, il faut qu'elle prenne sur elle, elle avale, excusez-moi, hein, mais elle se retire, elle écarte, même s'il faut écarter sa maman d'abord pour se retrouver, c'est tant mieux. Parce qu'on dit, même quand tu es en train de te noyer, quand le bateau coule, tu dois t'éloigner de tout cela pour pouvoir te sauver. Même si tu sais nager, il faut que tu t'éloignes des gens. Sinon, même en sachant nager, les gens vont s'agripper à toi et Ils vous vont allez couler ensemble. s'agripper à toi, oui. Non, pour moi, honnêtement, c'est que cette maman me pardonne, mais qu'elle mette sa maman en parenthèse et elle se cherche. Parce que si elle gagne 10 francs et qu'elle prend tous les 10 francs, elle donne à sa maman, mais sa maman ne va avoir que les 10 francs chaque fois. Alors que si elle lui donne le temps de se retrouver, la maman aura ce qu'elle veut demain. Pourquoi être pressée? Bon, je laisse la parole à d'autres qui veulent parler, hein, OK, mais j'ai merci. eu mal. Bonjour, bonjour les deux personnes qui viennent d'entrer là. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, maman Pépé, ça va? Va très bien, merci. Ah, bonjour, la PKC, les abeilles, les sympathisants, bonjour, bonjour. Ce que la dame vient de dire, franchement, elle a vraiment pointé, franchement, parce que nos parents, tout le temps, quand tu es en Beng, comment on appelle le diaspora en Beng, on se dit que. Soit tu ramasses l'argent, ou on te dit que l'enfant de l'autre a construit deux étages, ou l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Et ça te pousse, hein? Ça te pousse à faire les choses que tu ne devais même pas faire. Ça te pousse à faire ce que. Mais ce que je dois dire à Nicole, Nicole, si tu es dans ce direct, aime ta maman comme tu l'as toujours aimée. Parle-lui. Je suis anglophone, hein, donc mon français ne peut pas être. On entend très bien, ça Oui. c'est pas. Parle avec ta maman. Et puis, comprends. Non, donc, comment je peux dire ça? Donc, explique-la les réalités de Mbeng. Au moins, les réalités de ta part de Mbeng. Parce qu'à chacun son Mbeng. La réalité, c'est vrai. Il y a les gens qui arrivent. Oh, tu tombes chez quelqu'un, oh, il y a, tu as dans les milliards et tout et tout. Et l'autre vient, et puis c'est pas la même chose. Donc, à chacun son bain. Donc, il faut expliquer à ta maman, t'as pas de bain. Comme ça, elle comprend aussi que non. Pour l'autre là, pour le compresseur, c'est bien, mais pour ma fille, c'est pas encore bien. En espérant qu'un jour, ça va, ça serait bien. Tu vois un peu. Donc, ne pleure pas, ma chérie.
cher, ne plaît même pas du tout. Et si les autres là vont faire de cela, je sais pas, moquerie, c'est que monter, c'est descendu, laisse-les dans les games là. Laisse-les. Laisse-les. Occupe-toi de ta mère à ta façon et à tes moyens. Voilà. À ta façon et à tes moyens. Oui. Tout dit là. Tout yes. Dit, hein. Non, ne te casse même pas. Comme tu peux. Si tu ne peux pas, tu ne vas pas aller voler, non. Tu ne vas pas laisser aller te prostituer. Non. Parce qu'il faut mourir, non. Maman. Ne salis pas ta main parce que l'autre a fait. Non. Non. Maman, si tu nous écoutes ici, là, aujourd'hui, Nicole, ça fait 22 ans que je suis en Beng. Je n'ai pas encore construit. C'est aujourd'hui que je suis en train de construire. Il n'est jamais trop tard dans il la vie. Jamais ça, je le dis tout le temps. Il n'est jamais c'est trop pas, tard. Il n'est jamais mais trop madame, tard. Madame Mireille, c'est Madame Mireille, c'est ça, Madame Taillot? Oui. Est-ce que vous savez combien ça fait mal quand tu donnes de l'argent à ta maman et qu'elle simplifie? Vous savez, je dis, moi j'ai eu à pleurer, à faire des, une fausse couche à cause de ça. J'ai eu à faire une fausse couche à cause de ça. Ah, quand j'ai vu Nicole pleurer, j'ai commencé à pleurer d'un moment que j'ai vu que j'ai vécu. Et je dis actuellement la même chose. Vous blaguez. En fait, pour moi, sa maman a été tellement, tellement injuste. Je me suis demandé, j'ai envoyé l'invitation là-bas moi, parce que dit, je voulais même demander qu'elle coupe le live. J'ai demandé une fois qu'elle coupe le live parce que sa mère, je ne sais pas si sa mère même réagit. Je ne sais pas si les mamans là, je don't know, vraiment, moi-même, je suis dépassée. Parce non, maman, s'il te plaît, il ne faut pas qu'on vilipende sa matière sur ce plateau. Écoutez-moi, mes soeurs, écoutez-moi. Plutôt, il faut qu'on sensibilise Nicole. Conseiller Nicole. Laissons sa mère. Elle a fait ce qu'elle a fait, c'est bon. Il ne faut pas que ça soit comme si on est en train de vilipender sa mère ici, là. Non, laissons sa mère. Il faut qu'on conseille plutôt Nicole. Comment gérer non, la situation? C'est arrivé. Maintenant, c'est comment gérer. Moi, ce n'est pas Nicole. Pour moi, ce n'est pas Nicole qu'on doit conseiller. Bon, pour moi, c'est à la maman qu'on doit parler. Allô? Que chacun donne un conseil vite fait. Il y a d'autres personnes qui vont laisser intervenir vite fait parce qu'après, je vais aller faire un manger. S'il vous plaît. Moi, je vais mon conseil. Moi, si vous me permettez, je suis un peu la première, je vais partir. D'accord. Mon maman parfait, moi, oui. Je n'ai rien à dire à Nicole. Parce qu'elle sait déjà ce qu'elle doit faire en tant que fille. Si elle a jugé que c'est 50 000 francs, c'est 50 euros qu'elle peut envoyer à sa maman sans s'étouffer, sans s'asphyxier, qu'elle envoie ses 50 euros sans s'assister, sans attendre la reconnaissance de sa maman, parce que sa maman ne sera pas reconnaissante. Toutes nos mamans en Afrique sont pareilles. Excusez-moi, hein. Avec tout le respect que j'ai pour sa maman, je ne lui manque pas de respect, mais sa réaction, c'est typique des réactions de nos mères au Cameroun. Je ne compte pas ce qu'elle peut faire en tant que fille sans chercher la reconnaissance de sa maman, parce qu'elle n'aura pas cette reconnaissance-là. Et si je dois dire quelque chose à la maman de Nicole, maman, je te parle avec les larmes aux yeux parce que ça fait Nicole a réouvert une blessure qui n'était même pas encore fermée. Maman, moi, j'ai bloqué ma maman sur WhatsApp parce qu'à cause des harcèlements financiers, j'ai fait une fausse couche. J'ai dû bloquer ma maman sur WhatsApp. Donc, maman, si tu aimes ta fille, si vraiment tu as aimé un jour ta fille, elle ne t'a peut-être pas dit ce qu'elle a vécu dans sa traversée, dans sa marche pour l'Europe. Elle ne t'a peut-être pas dit ce qu'elle a traversé. Elle a traversé des pires situations dont elle ne peut pas te parler parce que tu auras le cœur déchiré. Donne du temps à ta fille pour se relever, pour se lever. Parce que c'est le peu d'argent qu'elle gagne et que tu viens encore prendre tout cet argent, maman, ta fille ne sera jamais rien parce que tout ce qu'elle a, tu viens sucer. Cette occupation que tu veux qu'elle te donne, cet argent que tu veux, cette affection financière que tu veux d'elle, tu l'auras. Mais pour l'instant, il faut qu'elle se retrouve d'abord. Il faut qu'elle ait d'abord trop d'objets pour te donner sa part. Maman, c'est la doléance que je te fais.
Tu dois mettre tes genoux au sol pour prier pour ta fille, pour qu'elle t'enlève de ta condition. Prie pour elle, pour qu'elle ait mieux demain, pour qu'elle ait plus pour elle, pour ses enfants et pour toi. Tant qu'elle n'aura pas ni pour elle, ni pour ses enfants, elle ne pourra pas te donner, maman. Elle ne pourra pas te donner, maman chérie. Vraiment, j'ai tellement pleuré que j'ai l'impression que c'est ma mère, c'est moi qui suis en train de vivre encore ça, c'est ma mère qui m'a pleuré. Si on peut faire un live de sensibilisation, si papa me sent, peut faire également un live de sensibilisation parce que nous sommes nombreuses dans des situations comme ça et c'est très douloureux, je vous assure. Donc, s'il te plaît, maman, parle à ta fille et ressaisis-toi. Prie pour ta fille, prie pour ton petit-enfant. Elle ne peut même pas venir au pays, dans son pays, parce qu'elle n'a pas encore tout ce qu'il faut. Elle n'a pas encore tous ses papiers. C'est tout ce que j'avais à dire parce que j'ai mal, maman Pépé, j'ai merci, mal. Merci, chérie, merci, merci. Merci. Je peux parler? Oui, c'est bon, c'est ton tour. Bravo, RP, à vous féliciter pour tout ce que vous faites. Parce que depuis, je n'ai même pas encore eu l'occasion de cotiser. Je pense que tout à l'heure, je vais encore fouiller dans votre page pour prendre le lien et envoyer ma part de contribution. Administrateur, mets le lien là-haut, mets le lien, pardon. Épinglez le lien. Ça fait plaisir. Même comme on dit que c'est chaud en Europe, c'est encore mieux ici. Parce que les gens souffrent tellement. Ça fait du bien de donner du sourire aux plus démunis, les orphelins et autres. C'est très important. Merci, Longo. Merci. Très important. Franchement, votre combat est noble. Merci. Et merci. Tant que vous donnez encore, la joie. C'est mieux encore que je me cache même derrière ce combat-là, parce que c'est noble vraiment. Et tant que vous donnez du sourire à ces enfants, vous êtes béni, hein. Les quelques personnes ne peuvent rien. Les quelques minutes que je parle à donner du sourire, la condense ensemble là, c'est beaucoup pour eux. Franchement, c'est hyper important. Merci. C'est hyper important. Parlant du cas de Nicole, je n'ai pas grand chose à dire, mais j'aimerais que nous sachions que la famille est un groupe. Un petit conseil à la maman et même à Nicole aussi, hein. Moi je dirais que la famille est un groupe d'ennemis condamnés à vivre ensemble. Chacun de nous a déjà eu des problèmes avec sa famille. Et c'est pas parce qu'on expose pas, c'est parce qu'on dit le linge sale se lave en famille. Je pense aussi que si la maman est venue jusqu'à ce niveau, elle est, nous tous on sait ce qui se passe, c'est d'être manipulée. Mais maman, il faut savoir qu'on n'expose pas son enfant, peu importe ce qui se passe. On n'expose pas son enfant parce que je suis sûre que si la maman là se réveille demain et on dit que Nicole a un problème, je pense qu'elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Il faut faire très attention. Facebook, c'est des réseaux sociaux et derrière ça, on a une vie. Hein. Il faut vraiment faire très, très attention. Et que Nicole soit forte, c'est rien. Elle doit même banaliser ça. Ça, c'est même pas un problème. Nous tous, on a déjà des problèmes. Moi, j'ai un ami qui a envoyé l'argent à sa mère, 50 000 euros pour acheter un terrain. Aujourd'hui, sa maman a dit que c'est son terrain, juste parce qu'il a eu une histoire avec sa sœur. Donc, ça peut arriver. Nous tous, on souffre. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui ont contribué peut-être au pays. Acheter même des terrains, on filme des maisons, on envoie, pourtant, c'est les terrains du voisin. Donc, comme ça ici. Il faut prendre tout ce qui vient dans la vie, même quand ça nous choque, on essaye de positiver la chose. Elle va changer, la mère de Nicole va changer, elle va comprendre. Donc, vraiment, Nicole, c'est le cœur, c'est la vie, la famille est un groupe d'ennemis condamnés à vivre ensemble. C'est tout ce que je peux te dire et on ne jette pas sa mère. Merci. Au revoir. Bonsoir, ma tous. Merci beaucoup. Bonsoir, ma pépé. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Longo. Bonsoir. Je reviens encore. Je veux savoir si parmi les numéros, le numéro Orange Money ou MTN, c'est le numéro que tu vas utiliser étant au pays parce que j'ai déjà envoyé. C'est ça que je vais utiliser. J'ai envoyé 3 sacs de riz et 3 cartons de détergent, comme je t'ai dit la dernière fois. Oui. 2 sacs de vêtements plus chaussures. C'est déjà là, ça t'attend. Bon, je vais prendre ton numéro, ou c'est Orange Money ou MTN, je vais donner à la personne. Administrateur, mets là-bas, mets le numéro Orange Money. Mais tu as ça. Mais voilà. Toi, mets quand même. Voilà, on t'appelle et la personne te demande où tu es, on vient te livrer ça sur place.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Allô? Un petit conseil pour Nicole et la maman. Bon, en ce qui concerne Nicole, moi je vais dire à Nicole que Nicole, j'ai vu tes pleurs tout à l'heure. Tu as dit que tu devais mettre les Western Union pour justifier. Tu n'as rien à justifier à personne, ma chérie. Tu n'as pas à justifier. Tu sais, Facebook, c'est le virtuel. Il y a la réalité que ta mère connaît. Et c'est aussi, ta mère aussi a vu que pour toi, apparemment, Facebook, c'est un moyen de chantage. Elle veut aussi un peu te déranger. Donc, ma chérie, tu n'as rien à justifier. Tu ne dois pas justifier. Même c'est juste les balles, c'est juste une façon de te tuer. Il y a une façon. On sait que tu te bats pour ta mère et tu n'as rien à prouver à personne. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner. Tu n'as pas besoin de mettre les preuves sur Facebook. Si c'est pour toi-même, laisse ta mère, ne gère pas, laisse-la faire ce qu'elle veut. Fais ton devoir en tant que. Merci. Allô? Allô? Merci. Bonjour, Pépé. Bonjour. Oui. Moi, vraiment, ça me choque parce que c'est un sujet que moi, ça me concerne. D'accord. J'ai été victime de ça, donc je sais de quoi Nicole peut subir. D'accord. Et je sais que cette maman ne sera jamais reconnaissante de Nicole. Nicole peut lui donner toute la terre entière. D'accord. Elle ne sera pas reconnaissante. Mais je vais dire à nos mamans en Afrique que nous ne sommes pas leurs assurances du. Normalement, quand tu prends la peine de faire un enfant, ça veut dire que tu es capable de préparer l'avenir de cet enfant. Bon, malheureusement, les conditions de nos pays font que on aime nos parents, on les aide. Mais en réalité, ça doit être l'inverse. Ce n'est pas une obligation. Mais par amour. Je ne te coupe pas deux secondes. Ce que tu dis est pertinent parce que ici en France, c'est comme si c'est un droit. Chaque enfant ici, dès sa naissance, tu as un compte bancaire où le parent doit contribuer tous les mois à te mettre quelque chose dedans. Alors qu'en Afrique, non. Donc, quand nous, on prend déjà la peine d'aider. Moi, je suis mère d'enfant. Je n'attends rien de mes enfants. Je n'attends que qu'ils réussissent leur vie. Je me bats en sorte qu'ils réussissent leur vie et ils font leur vie. Bon, si maintenant l'enfant vient me donner un petit cadeau, je suis contente. Donc, les mamans qui sont en Afrique, là, parce que c'est pas seulement en Afrique, et même les mamans qui sont ici, les mamans africaines, là, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Si ton enfant te donne un peu, sois content. Parce que normalement, c'est toi qui es censé donner à ton enfant. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez le vampirisme. Arrêtez ça. Une maman ne vend pas son enfant. L'enfant que tu as porté, même s'il est un voleur, même s'il est un criminel, c'est ton criminel. Tu ne le vends pas. Vraiment, ça m'a fait mal pour Nicole. Nicole, moi, je l'ai vécu et je sais de quoi je parle. Tu as bien fait de stopper ce chantage parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Donne ce que tu peux. Mais pense d'abord à tes enfants parce que toi, tu as la responsabilité de tes enfants. Si tu ne le fais pas, tu vas reproduire le même cercle infernal. Si ta mère avait fait son travail, tu n'aurais jamais pris la mère. Tu n'aurais pas pris ce risque-là. Donc, certes, elle n'avait pas les moyens, mais tu n'avais pas demandé à venir au monde. Tu ne lui dois rien. Tu lui dois que de l'amour. Donc, le peu que tu as, tu lui donnes. Mais pense d'abord à tes enfants. Parce que ça, c'est ta responsabilité. Tu vas beau lui donner toute la terre entière. Et comme tu as déjà montré les preuves là, arrête, ne discute plus. Elle peut te vilipender où elle veut. C'est bon comme ça. Mais tu as bien fait de stopper ce chantage. Il faut arrêter ça. Tant qu'elle va continuer à te vilipender, ne donne rien. Ne donne rien. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas vécu sa perpétuité, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, j'ai failli me suicider à cause de ça. Moi, maman m'avait dit que tu m'avais donné quoi dans ta vie? Moi, quand on se chamaille, parce que ma mère et moi, on se chamaille de temps en temps. Quand on se chamaille, elle me dit que tu m'avais donné quoi dans ta vie? Même mes soeurs et mes frères se mettent à rigoler. Et moi, je sais que celle-là, elle est en train de rigoler. Voilà. Donc, vraiment, beaucoup de courage à Nicole et que sa mère accepte ce que sa fille lui donne. Si elle voit que c'est petit, elle est encore jeune, elle me met au Boza. Parce que je vois les femmes nues dans le Boza. Là, si elle voit que Nicole ne fait pas assez, elle me met au Boza. Excusez-moi d'être dure comme ça. Dans mon pays,
Je vais la rencontrer. On va arranger ça. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, en fait, je voudrais apporter mon point de vue par rapport à la sortie, enfin, par rapport à cette histoire concernant la mère de Nicole. Ben, je crois qu'en fait, une fois que sa mère vient sur les réseaux sociaux, le ver est déjà dans les fruits. Donc, en fait, on ne montre pas sa mère sur les réseaux. C'est l'erreur que Nicole a commise dès le départ. Et je pense que, bon, voilà, il faut juste qu'elle fasse, qu'elle travaille sur le processus, n'est-ce pas, qui est de sortir sa mère des réseaux et de se consacrer vraiment à sa mère. Et puis, Nicole, tu donnes ce que tu as. Tu ne peux pas voler pour ta mère, comme tu l'as dit. Voilà. Bon, et on comprend qu'en fait, on sait que nos mamans en Afrique en veulent toujours, toujours, toujours et encore. Donc, il n'y a jamais assez, en fait, en Afrique. Donc, Nicole, sois forte. Et ta mère n'aurait pas dû bombarder Flore de Voice. Elle n'aurait pas dû faire ça. Je trouve que c'était pathétique. Enfin, elle doit te protéger dans cette histoire. Parce que la maman a le devoir de protéger son enfant. Elle a fait l'effet inverse. C'est vrai que c'est une jeune maman. Mais bon, peut-être aussi, elle a besoin, n'est-ce pas, d'être coachée. Voilà. Donc, en fait, il faut qu'on arrête aussi de rajouter. Hein, parce que rien que le fait qu'on en parle et qu'on rajoute, ça aggrave la situation. Et le problème, aussi, hein, ça doit aggraver la situation. La maman va pas aimer aussi, peut-être. C'est vrai. Non, oui. on doit quand même voilà. Sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation en silence. Oui. Sensibiliser sans vision, c'est la matière, quoi. Moi, j'ai pu être seule dans ma situation. À un moment, je me disais que j'étais seule. Ouais. On doit en parler. Nous tous, on a vécu ça. Non, franchement, nous tous, on a vécu ça. J'ai eu à sensibiliser par rapport à ça, mais sauf que je n'ai pas été profonde. Oui. Allô? Oui. Bonsoir, maman Pépé. Bonsoir. Ben, on a coupé le monsieur. Hein. Il était en train de parler. On l'a coupé. Ok, allez-y. Je... Oui, ben, j'étais en train de dire que de toute façon, on profite pour sensibiliser toutes ces personnes qui ne prennent pas soin de leurs parents. On ne compte pas ce qu'on donne à nos parents. On donne sans compter. Moi, personnellement, je donne à ma mère sans compter. Donc, je suis étonné quand j'entends, par exemple, cette maman parler comme ça à sa fille. Parce que je ne laisserai jamais que ma mère manque de quelque chose avant d'intervenir. Donc, si ça pouvait être contagieux, on n'a qu'une mère. Bon, regardez comment Flo fait avec sa mère, par exemple. C'est beau à voir. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter. Et ne rajoutons plus davantage. Essayons de dire à la mère qu'elle a mal fait. Mais Nicole aussi doit tout faire pour que sa mère ne manque de rien. C'est son devoir. Une fois qu'elle est heureuse, elle aussi est heureuse. Parce qu'on ne peut pas être heureux tant que la maman n'est pas heureuse. Je vous le dis parce que ma vie a décollé quand j'ai mis ma mère vraiment au sec. En Afrique, on est tous dans l'eau. Hein, puisque voilà, c'est une ville humide. Donc, peu de gens sont logés. Beaucoup de personnes sont logées dans les marécages. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire, compresseur. Merci de m'avoir accueilli sur ce direct. Merci de ton intervention. De rien. Au revoir, tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Ma pépé, désolé, la mère de Nicole a fait quoi, s'il vous plaît? Sors ici, là. Sors, bam. Bam. J'ai fait quoi? Je demande, parce que comme je travaille, non. Voilà, je sais que tu es en train de travailler, tu vas dire que bam, va travailler. Je suis dans la maison. Je dis que j'ai fait la même chose. Moi, c'était pour le dire. Attends, alors, toi, tu es là encore. Mais après, si je parle, parce qu'elle travaille, après, okay. Elle va partir. Okay. Donne-nous d'abord la parole, s'il te plaît. Ma prestige, attends. Bisous, ma prestige. Bonjour, excuse-moi, je ne t'ai pas eu depuis. Oui. Allô? Il n'y a pas de mouillé sec. Ceux qui veulent se moquer de Nicole, qu'ils se moquent. On est habitué à la moquerie. Mais sachant que quand moi, par exemple, je vois Nicole, je vois une petite fille qui a bravé la mère, parce que tel que je vois sa maman n'a même pas dû contribuer, peut-être elle est même partie sans lui dire au revoir. Qui arrive au premier des choses, elle cherche ses papiers. C'est déjà une bravoure pour elle. Elle pouvait arriver, elle oublie même qu'elle est venue chercher ses papiers. De deux, on peut lui dire d'aller travailler. Mais sachez qu'il y a des hommes que, vous savez, se trouvent dans un pays, l'Italie. L'Italie n'est pas facile. J'ai des gens ici qui sortent d'Italie. Le boulot là-bas, ce n'est pas à portée. De toutes les portes là. Et vous n'êtes pas sûr que elle est habituée aux gens d'hommes qui n'aiment pas que sa femme sorte en laissant un bébé comme son enfant. Il peut te dire pour le moment tu t'occupes de l'enfant et la maison. Le peu qu'il te donne, le peu que tu touches aussi, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ce que je voudrais dire est que même si elle ne donne rien à sa maman, le simple fait qu'elle soit vivante, elle pouvait mourir en mer comme les autres. C'est pour ça que je l'encourage. Et la meilleure façon d'encourager, ne venez pas avoir pitié de la Facebook. Partagez ces produits. J'ai envie de déclencher. Voilà ce qu'on attend de vous. J'ai envie de déclencher.
Où sont mes enfants? Non, je suis pasteur. Allez vous abonner à son TAPTAPSEN. Parce que les gens disent que tu ne peux pas travailler, pas travailler. Ce n'est pas tout le monde qui va travailler. À Facebook, les gens gagnent l'argent sans aller travailler. Pourquoi pas elle? Encourageons-la. La meilleure façon, c'est de l'encourager. Tenir compte de son... On sait qu'elle fait peut-être la publicité des produits. Si on peut partager, si on peut aller s'abonner à son TAPTAPSEN, ça va aussi l'aider. Si on peut l'aider à faire certaines publicités, même à partir de la maison, on peut faire le commerce. Moi, j'ai vendu longtemps à la maison. Sans vous dire, sans vous mentir, quand mes enfants étaient petits, je ne sortais pas aller travailler. Parce qu'on pouvait sortir aller travailler pour en trouver des cartons. Mais à partir de la maison, on peut faire un business. Il y a des gens qui travaillent de la maison, ils ne sortent pas de chez eux. C'est-à-dire, elle peut prendre les publicités comme elle fait là. On l'aide à partager, à encourager. Ne l'encourageons pas seulement quand elle lance les directs de clash. Partager ses produits. Allez télécharger ses applications. C'est une façon de l'aider. À partir de là, elle va aider sa maman. Quant à la maman, ce que je veux dire, maman, aussi. Il ne faut pas que les réseaux sociaux changent ta façon de penser de ta fille. Donne-lui le temps. Elle aura le temps d'arriver où tu penses là. Et elle n'est même pas obligée d'arriver à ce niveau. Chacun a ses choses. Quelqu'un peut prendre 2 ans pour aboutir, d'autres peuvent prendre 6 ans. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Et Nicole, d'une famille pauvre. Moi, je suis sortie d'une famille très, très pauvre. Mais aujourd'hui, il y a les docteurs chez nous. Il y a des ingénieurs. Il y a des zones, mais on n'a pas commencé comme ça. Hein. On était la famille au quartier que ce qu'on nous a demandé que les gens soient faits. Si je finis, tu parles pas toi. Oui, après tu me mets au parler. C'est pas tard pour Nicole de ce... Et je dis, Nicole, tu as tout mon soutien. Tu as tout Il faut lui parler en patois. On commence à 10. Tu as tout mon soutien. Ne sois pas frustré. Celle que sur la toile veut prendre et faire son problème, lancez les directs, on va vous accompagner. Ça ne chauffe pas sur Nicole. Et ça n'empêchera pas qu'elle change sa ligne éditoriale. Mais attends, c'est sa maman qui peut pas aimer sa maman plus qu'elle. D'accord. C'est ça que je voulais parler de maman Pépé. Merci Longo. C'est bien ma Pépé. Bonne soirée. Ma Pépé. Je suis dans le direct, je descends. C'est bien. D'accord chérie. Ma Pépé, je t'aime. Ma Pépé, bonjour. Bonsoir. Ouais. Comme tu peux au Cameroun, là, vraiment, si tu as de la chance de rencontrer la maman, il faut vraiment pas rencontrer. Je vais la rencontrer. Non, t'inquiète, maman, là, on ne doit pas exposer nos enfants. C'est que je voulais dire, le prophète m'appelle, attends un peu, je suis un peu là depuis. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la mère de Nicole, mais la seule chose que j'ai d'abord envie de dire à la mère de Nicole ici, là, c'est que je ne vais pas prononcer le nom de la personne. Il ne faut pas qu'elle entre dans les regrets comme une mère avait lancé son enfant ici dans les réseaux ici, là. Son enfant est mort comme ça, là. Je ne peux pas dire le nom, mais en tout cas, je ne vais pas donner trop d'indices. Je ne veux pas qu'elle revienne encore comme c'était les clashs ou bien avec certains pays contre certains pays. Donc, ton enfant reste ton enfant, c'est toi qui dois couvrir ton enfant. Où tu as mangé, où tu n'as pas mangé, c'est ton enfant. Elle t'a donné, elle t'a pas donné, c'est ton enfant. Nicole, ce que moi je peux te dire, c'est que si tu es là, que tu nous écoutes, la seule chose, tu ne peux pas t'en sortir en disant que tu as envoyé de l'argent à ta mère chaque mois, jamais de la vie. Demande à ta mère de chercher quelque chose qu'elle peut faire. Tu comprends? Non. Tu essaies de t'organiser. Ça a 60 ans, pardon. Donc, oui, oui, même un bon comptoir, même un bon comptoir, même un petit commerce. Sa mère, quand sa mère a accouché, elle faisait quoi? Elle faisait quoi pour ne pas réussir? Sa fille a bossé pourquoi? On fait les enfants pour que les enfants ne souffrent pas. Ma soeur, attends d'abord, moi je gâte, tu vas arranger. Non, mais sérieux. Ouais, attends d'abord, pardon, je gâte, tu vas arranger. Donc, je disais ceci, Nicole, tu peux pas dire que tu vas envoyer l'argent à ta mère chaque mois. Dis pas ça, c'est ça. La seule chose que tu peux faire, ma belle, c'est que organise-toi, tu cherches même un bon 1000 euros. Même un bon 800 euros, même en tout cas, mais Nicole ne peut pas encore avoir 1000 euros maintenant. Ma Pépé,
Peut-être que ce n'est pas maintenant. C'est quelque chose qu'elle-même va d'abord servir d'abord sa mère. Même pour si elle possède l'argent là. Elle envoie. Et sa fille Marie. Et sa fille Marie. Si j'ai 1000 euros, je donne mon enfant pas à l'école privée. Ma mère a vécu sa vie. Elle est prête à mourir. On je suis fout d'accord quoi avec les vieilles personnes. On s'occupe du futur, madame. On ne parle plus des jeunes avant là. Elle est le fou de Santa Bia. Santa Bia avait cherché pour Bia. Même sa mère pouvait chercher riche. Qu'elle laisse Nicole tranquille. On cherche pour nos enfants. Oui, non, non. Tu sais ça que c'est possible. Non, là. Si vous avez mal raté, oui. Si vous avez raté vos vies, vous laissez les enfants tranquilles. On va s'occuper de sa fille. Parce que demain, personne ne va s'occuper de Marie. OK? Même les gens qui pleurent aujourd'hui, on dit, ouais, Nicole, ouais, on ne va pas s'occuper de Marie. D'accord. Okay? Être à okay. Tous ces 5 francs, c'est pour Marie. Ce qui se verse au sol, je peux envoyer ça en Afrique. Il faut arrêter ça. Elle a Bouza, pourquoi? D'accord, chérie. Tu me si sa mère avait, elle ne fait pas Bouza. Il faut seulement que sa mère sache que, sa mère sache que on garde son enfant, on couvre son enfant, on n'enlève pas la couverture de son enfant. Excusez-moi un peu deux secondes de vous couper. Hein. En fait, j'ai besoin que vous donniez des conseils à Nicole et à la maman. C'est que donc, moi, je voulais faire. Ma Nicole ne donne pas les conseils de 60 ans. Attendez. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Hey, ma pépé, il y a les mamans de 60 ans qui émergent. Ma mère émerge. A eu son permis à 60 ans. Ma pépé, l'autre elle était dans son école là-bas. Là. Il y avait des jeunes, ses petits-fils. Elle est la seule qui avait eu le permis. Donc, il n'est jamais trop tard. Nicole et moi, Emma, Lily, on avait convenu quelque chose pour la maman. Mais je suis blessée, écœurée de voir ce qui se passe maintenant. Ça me choque, en fait. Moi, je ne veux pas manquer de respect à la maman. Tout ce que il faut dire. Ouais. Donner du respect, donner du conseil à la maman. La bénédiction, c'est parce que tu t'occupes de ta mère. Ça va non. Non. C'est très important. Il faut donner les conseils à maman et à Nicole. Hein? Maman Pépé. Oui. Je peux parler un peu, maman. Je suis là depuis. C'est que tout le monde, ça part dans tous les sens. Vas-y, parle. Parce qu'il y a même une de leurs soeurs qui va parler à Bangante là maintenant. Maman Pépé, nous sommes les Bangante. Nous sommes les mamans. Nous sommes les Bangante en même temps. On sait comment nos mamans. Pas la Bangante. La maman. Tu peux lui donner les conseils en Bangante à la maman. Si la maman. Je vais vous parler. Si la maman écoute et si la maman m'écoute. On dit en patois que tu fends ton ventre, ton intestin va sortir. Ça, je traduis le patois. Pour dire que Maman Pépé, Flore, Maman Lily, on dit que ce sont les parents de Nicole en Europe, on la soutient. Mais ça ne veut pourtant pas dire que Maman, s'il y a un problème, tu vas mettre les voices, appeler les mamans. Maman, quand l'Europe n'est pas facile, quand l'enfant voyage, le peu d'argent qu'elle te donne, tu prends avec bénédiction et tu lui demandes à Dieu de l'aider pour qu'elle fasse mieux que ça. Tu ne Nicole prends rien. Je ne veux pas l'argent venant de mon enfant. Tu ne prends écoutez, rien. Maman, l'enfant l'a fait quoi dans la vie pour t'envoyer les maman, laissez-moi. Ouais. Maman, pardon, laisse aussi on parle. Là. Pourquoi toi tu donnes seulement le machin comme ça là? Oh. Vas-y, on t'écoute. Allô? Peut-être que tu as la mauvaise personne. Moi, je disais ceci. Si Nicole est là, qu'elle nous écoute, Maman Pépé, qu'elle s'organise. Ce n'est pas qu'elle va prendre ça un coup comme ça. Là. Moi, je ne connais pas l'Italie, mais la façon dont que j'entends parler l'Italie, que c'est dur, machin, tout que qu'on sort. Donc, moi, je ne sais pas. Je vais te prendre l'exemple de la mère de Dapoutchou. Excuse-moi, Dan. Tu vas parler, tu donnes les conseils à la maman. On t'écoute. Ben, oui. Même la nourriture. Il faut baisser un téléphone derrière le poste récepteur. Ma bébé, c'est dans la salle. Madame me sent. La star me sent. Je t'envoie des gros bisous. Voilà. Pim. Merci, ma star, la star des stars. Vas-y, on t'écoute, chérie. Oui, bon, donne un conseil,
donne un conseil à la maman. Maman de Nicole, qui est une sœur, parce que je sais qu'elle est ma génération. Je veux dire que Belambadi, Wengu Batumbadi à l'Ombo. Vous pouvez que Runja, vous finissez le roumain, vous finissez le chant en privé, non, tout bien, vous finissez le roumain, vous finissez le roumain, vous finissez le roumain, Tous les mois 50 euros, maman. Est-ce que 50 euros de petit nous, ta petite fille, je vais y en être un gros mot. Aïe, je se bat, quand je se dis pas, je se bat en brume, maman. Mais on peut passer, on doit un grand prix à nous, mais on finit là, mélanger pour pas faire cela d'abord sur Internet. Ensemble là, on finira là mélanger pour babiquer là. Ce sont des femmes qui ont déjà duré ici à Léo. Elles sont à 20 ans. Hein? Si elles ont des biens au Cameroun, c'est normal par rapport à leur à les années qu'ils ont fait ici. Nicole, c'est un enfant. Nous disons le tout après que parce que moi je suis barante, parce que nos mamans barantées pousser les enfants à la prostitution systématiquement et techniquement. C'est-à-dire ton message, je l'ai compris une fois et j'ai analysé. C'est une façon de mettre Nicole sur la rue pour qu'elle travaille pour toi, comme tu montres les vidéos de ta maison, pour qu'elle te construise la maison. Tu crois que c'est n'importe quel enfant qui va se lever parce qu'elle est d'une famille pauvre ou parce que ses parents n'ont pas eu la chance d'être riche. Qui va se lever et se jeter dans la prostitution, ou bien qui va se jeter pour chercher l'argent avec corps et âme pour te construire une maison, ou bien pour aménager ta maison. Non, non. Moi, je croyais que tu pouvais demander dans une vidéo que ouais, tu as besoin d'un peu d'argent pour faire le commerce avec un bel homme. On ne fait pas ça. Tu as jeté à la petite primaire. Tu l'as jeté à tout le monde. Et que si quelque chose arrive à Nicole, même comme stress traumatique, tu es la première responsable. Tu connais Facebook. Tu ne peux pas prendre les gens que tu ne connais pas. Tu commences à les appeler. Où les Yubaïens? Tu les connais où? Hein? Attends un peu, maman Pépé, qui va maintenant te payer les factures de cette maison-là? Hein? Tu crois que Nicole est sortie pour se sacrifier pour la famille? Et tu ne demandes pas que Nicole te donne un fonds de commerce, mais tu dis qu'il faut qu'on regarde ta maison où tu dors. Tu crois qu'on va arranger la maison? Qui va payer le courant? Qui va te nourrir? Non, maman, tu dois chercher plutôt avoir un fonds de commerce pour arranger ta maison, payer ton courant, payer ton institut et prendre soin de toi. Ce n'est pas Nicole. Ce n'est pas Nicole. L'enfant l'a encore très petite. Elle a fait combien d'années en Europe? Même 50 euros qu'elle te donne là, moi, même si je suis à près de 12 ans, je donne ça à peine à ma famille, à peine. Parce qu'il y a des charges. Elle doit payer des factures, elle doit payer où elle vit, elle doit partager avec son autre. C'est comme ça ici. Sinon, les problèmes commencent à se retrouver sur la rue. Hein? Tu ne peux pas, parce que tu vois, elle est entourée des parents comme les perfectures, les flots de l'île qui ont déjà fait des trucs dans leur vie. Et tu ne peux pas les mesurer à ces femmes-là. Elles ont déjà fait 20 ans ici. C'est normal. Ça les appelle relancer. Ça rejette. Et quand tu vois même leur peau, tu sens que c'est des femmes qui ont duré ici en Europe. Elles ont leur peau comme des bébés. Nicole, quand tu la vois encore, Nicole n'est pas encore grande, mais elle a encore beaucoup de parcours pour faire sur elle-même. Quand tu vois Nicole, tu sais que c'est un enfant. Elle a encore beaucoup de choses à faire sur elle-même. Ça rejette encore. Ça rejette. Hein? Le téléphone est réallumé peut-être. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Bon, un dernier conseil pour les deux. Farandia, tout va essentiel. Non, c'est elle qui a dit, Nicole n'a pas tort. D'accord. Les mamans bangati font tout comme les mamans yaoudela. Elle pousse l'enfant à la position systématiquement. Vous êtes les seules mamans à l'ouest qui font les choses comme ça. Les autres parents à l'ouest ne font pas comme ça. Vous les femmes baratées, les chefs baratées, je dis la vérité. Vous aimez trop pousser les enfants à la borderie. Si elles pas dehors, là, quelque chose arrive. Ne pas faire un fonds de commerce, c'est tout.
Et donc, pour le commerce, la femme nourrit et nourrit tout le, même le village. Pendant ce temps, elle commence à grandir. Les gens qui veulent intervenir. Donne le dernier conseil. Le dernier conseil que je vais donner, maman Pépé, c'est que la maman demande juste un peu d'argent pour faire un commerce. Et qu'elle n'appelle plus les gens de Facebook parce que si elle aime son enfant et qu'elle sait que son enfant, c'est tout pour elle, qu'elle n'appelle plus personne. Si elle a un problème, qu'elle va direct à Nicole et où elle reste dans son silence. C'est beaucoup mieux pour Nicole. C'est une façon de protéger Nicole. Hein? Et Nicole aussi, toi, Nicole, je sais que tu viens d'arriver en Europe. Ta main n'est pas encore dure, ta main n'est pas encore folle. Malgré que Dieu t'a donné la chance de te mettre avec ces grandes femmes, les Flore et les Perpétues, tu vois, vous ne pouvez pas être même chose parce qu'elles ont déjà fait des 20 ans. Toi, tu viens d'arriver encore. Ta main n'est pas encore vraiment folle. S'il te plaît, ma poule. Même si tu vas faire même 4 mois, même 5 mois, même 6 mois, sans envoyer l'argent à ta mère, tu mets ça en économie. Et puis maintenant, quand ce serait un bon montant, tu l'envoies ça, elle fait le commerce avec, et elle arrange sa maison, qu'elle dit comment elle dort. Et les économies, elle va arranger sa maison. C'est comme ça que nos parents qui ont bâti, ont fait pour bâtir. Ceux qui n'ont pas bâti n'avaient pas de capital pour commencer une activité. Maintenant, tu vas lui donner le capital pour qu'elle commence l'activité avec. Maintenant, si tu reviens au Cameroun, tu vois que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Tu peux détruire tout et mettre par terre parce qu'avec le temps aussi, tu commences aussi à grandir ici en Europe, tu deviens bien. Tu comprends? Donc voilà tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. On s'appelle après le direct. Bisous. Ma Pépé. Oui. Oui, moi, je voulais seulement demander aux gens qui demandent à Nicole d'aller travailler. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas la situation encore de Nicole. En Italie, ce n'est pas facile. Elle est mariée, elle a son enfant. On ne sait pas si elle a déjà les papiers. Elle vit avec un homme. Elle ne travaille pas. Peut-être elle s'occupe de l'enfant et son homme ne veut pas qu'on envoie l'enfant à la crèche ou bien ils n'ont pas les moyens pour payer la crèche pour que Nicole passe chercher un travail. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu vis avec ici en Europe ou bien aux États-Unis. Quand tu n'as pas les papiers encore et tu vis avec un homme, ce n'est pas facile. Peut-être c'est l'homme qui paye tous les factures et Nicole est seulement là, le petit que son mari lui donne. Peut-être c'est pour payer, peut-être sa pommade ou bien quelque chose. Mais au moins, elle se débrouille avec ce que son mari lui donne ou bien avec ce qu'elle gagne sur Facebook et d'envoyer à sa maman. C'est quelque chose. On ne connaît pas encore la situation de Nicole. On ne sait pas si elle a les papiers. On ne sait pas si elle peut travailler. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Et sa mère doit regarder dans ce côté. Si Nicole envoie même 20 euros, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Nos mamans en Afrique, là, ils minimisent trop ce qu'on les envoie là-bas au pays. Nous souvent ici, là, on ne dort même pas la nuit. On ne dort pas la nuit quand on a les problèmes. On a les problèmes que nous-mêmes, on ne sait même pas comment sortir de ces problèmes. Si ton enfant t'envoie même si 20 euros, c'est déjà quelque chose. Il faut dire Dieu merci. Peut-être l'année prochaine, les choses vont se mettre à place. Elle va t'envoyer plus que ça. On ne connaît pas la situation de Nicole. On ne peut pas venir la juger. On ne peut pas venir dire elle n'a qu'à aller chercher du travail. Elle n'a qu'à envoyer plus. Tout le monde allait chercher du travail. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont que cette gueule-là pour dire qu'il faut aller chercher du travail. Même si elle va travailler, même ceux qui travaillent là, il y en a qui travaillent même. Comme les sociétés, même ici là, qui ne s'occupent pas de leur famille. Si son mari lui donne peut-être, on va dire, 100 euros pour ses petits besoins, mais dans 100 euros là, elle envoie 50 euros à sa maman, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Peut-être elle n'a pas les papiers, elles n'ont pas trop de moyens pour envoyer l'enfant à la crèche pour payer. Tout ça, c'est un conseil. Un conseil pour les deux, alors, s'il te plaît. Parce que bientôt, là, mon mari ne sait pas se gâter parce que moi, je vais seulement conseiller Nicole. Nicole, envoie ce que tu as marre. Ne te dérange pas. Il ne faut même pas te faire les soucis parce que des gens vont te dire qu'il faut envoyer plus. Même si c'est 20 euros que tu as, envoie à maman. Si ce n'est pas beaucoup pour ta maman, n'envoie plus. Les 20 euros, là, tu prends ça pour toi-même et ta fille. Tu te mets belle, tu te fais belle. Si c'est pour acheter ta pommade, tu achètes. Si les 20 dollars que tu envoies, ce n'est pas beaucoup pour elle, elle n'a qu'à aller, les gens qui vont lui donner les millions. Nicole, c'est une Américaine qui te parle. Hein. Elle a dit que dollars. Ah, il m'a fait plus. Bisous, Longo. Parle, ma fille. Bonjour. Bonsoir.
Oh, bonsoir, ma pépé. Bonsoir, l'homme. Non, je pense que le pourquoi je monte sur votre live par rapport à ce sujet, ça fait 2 ans que j'avais fait une vidéo, un live par rapport à ce sujet-ci pour édifier les parents en Afrique et les frères et les sœurs en Afrique. Et j'avais parlé de deux côtés. Oui. Le côté que nous, ici en Europe, on ne montre pas le vrai côté de l'Europe. De l'Europe. Comment on montre aussi le côté bling-bling? Oui. Ça donne aussi l'impression aux gens en Afrique qu'il y a tout ici. Merci. Donc, c'est nous aussi, sommes aussi de ces causes-là que certains parents naïfs qui ne comprennent pas ce qui se passe. On montre aussi tout va bien. Quand ils nous voient sur les photos, les vidéos et tout, 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 on ne fait pas les choses. Parce que nous-mêmes ne sommes pas réalistes, on ne montre pas les vraies vies à nos parents. Parce que nous, ici, on veut descendre en Afrique pour qu'on respecte une petite sœur qui est en Europe. On dénigre la personne, grand sœur qui est en Afrique parce qu'il n'a pas l'argent. C'est la base de toutes ces situations-ci. Par contre, si nous, ici, en diaspora, commençons à édifier tous ces parents qui sont en Afrique, et leur dire le véritable type de vie qu'on vit. Une maman qui décide que sa fille doit vendre son corps pour lui donner l'argent, ça lui concerne, c'est sa conscience. Si une fille dit à maman que maman, là où je suis, là, je n'ai pas le papier, si je donne 20 euros, c'est parce que j'ai couché 3 personnes. Et si la maman encore met le pression pour dire que donne-moi l'argent là encore, c'est pour dire que la maman a vendu son enfant. Il faut que chacun dise la vérité à les parents, ceux qui vivent. Certains parents sont, je ne sais pas, magiciens qui ne veulent même pas comprendre. Une fois que tu prends le boza ou bien l'avion, c'est l'argent qui est déjà défini. Sans savoir que les enfants vivent ici en route. Sans savoir qu'il y a le sans-papier, même pour 20 ans. C'est ce que les parents ne comprennent pas. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les gens édifient les parents. S'ils ne parlent à l'école, expliquent le système. Parce que le système italien même est compliqué plus que même en France. La France, il y a le social. Tu ne peux même pas rester sans manger puisqu'il y a même le resto de cœur. Tu vas aller chercher à manger. Catholique. Voilà. Italie, Catholique, c'est compliqué. Il faut que la maman comprenne que là où Nico vive, ce n'est pas donné. Ce n'est pas en France que si tu veux marcher, même tu pars dans les camions qu'on a partagé la nourriture, reste quoi, on va te donner. En France, si tu restes, tu peux rester en route sans avoir une toile, mais tu ne peux pas rester en famille. Si tu connais tous les restos de cœur. Ça, c'est les systèmes sont différents. Nico, s'il te plaît, explique. Le système de à ta maman, il ne faut pas aller à l'école pour comprendre certains systèmes. Donne-lui les définitions de ta propre vie. Oui, donne-lui les définitions de ta propre vie. Qu'elle ne voit pas comment tu es en train de faire le lancement du produit et quoi que le produit là, c'est pour toi, ce n'est pas pour toi. Tu vends pour quelqu'un qui va te donner 10 ou 5% de ce que tu es en train de vendre. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de pensée même de toile de maman. Pour le moment, tu n'es même pas. Même une capital de business. Ce n'est même pas toi. Pourquoi on donne l'argent à ta maman? C'est une léchie qu'on peut faire un PayPal. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas à ce niveau de donner à ta maman. Donne les réalités à ta maman pour qu'elle comprenne. Maman, s'il te plaît, ce que je peux vous dire, Nicole, dans la Bible, on dit qu'on doit prendre soin de nos parents, mais pas à un certain âge. À l'âge de ta maman, elle a encore la force. Si elle a 70 ans, à partir de 70 ans, c'est ton obligation de le faire. Parce que tu as le crainte de Dieu. Maman est encore solide. Si elle veut l'argent de business, qu'elle te dit, mais qu'elle te donne le temps. Maman, s'il te plaît, avoir le patient. Quand vos enfants montent comme ça, là, il faut avoir le temps pour que cherche à savoir si l'enfant a déjà le papier. Cherche à savoir si elle dort bien. Cherche à savoir si elle a le travail. Quand elle a déjà tout s'installé, tu peux commencer à parler des voisins ou bien ce qui se passe. Parce que vous-même, maman, regardez aussi votre vie. Est-ce que la maison qu'on a publiée sur la toile, c'est vous qui devez arranger ça à tes parents, non? Vous n'avez pas fait? Je vais arranger cette situation. Je promets, je vous promets tous que j'irai au pays. C'est imminent. Quand je dis que c'est imminent, sachez que je pars de là. Merci. Donc, je vais aller voir la maman sur place, 2 places. Quitte à ce que je la déplace, qu'elle vienne à Yaoundé, ça ne serait pas un mépris. Mais je peux envoyer, lui faire un dépôt, elle vient me retrouver. On passe même 2 jours ensemble. J'essaie de l'expliquer. Parce qu'il y a des mamans qui ne comprennent pas. Il ne faut pas aussi trop tirer sur la maman. Il faut chercher seulement à calmer la situation. Parce que, vous savez, les réalités de l'Afrique. L'Afrique, on souffre en Afrique. Quand vous me voyez dire que je m'en vais voir ceux qui n'en ont pas, les orphelins, les personnes âgées,
En temps normal, est-ce que tu peux accepter que ta mère aille dans une maison de retraite ou dans une maison, même étant en France, moi je peux accepter que ma... Voilà ma copine Flore par exemple. Prenons l'exemple seulement sur Flore. Parce que Flore pouvait déjà installer sa mère dans une maison de retraite. Elle a le droit. Mais elle préfère garder sa mère avec elle. Donc, il faudrait que nos mamans, qu'on les explique, parce que si on n'explique pas, elles ne comprennent pas. Ouais. Pour eux, c'est que tu es en Europe, derrière ta maison, il y a l'arbre où tu cueilles de l'argent. Donc, si une comme moi qui vit ici depuis plus de 20 ans, je ne pars pas la faire asseoir, je l'explique les réalités, elle ne peut pas comprendre. Et il y a des gens qui l'appellent de gauche à droite. Il y a des gens, peut-être qu'elle a leur numéro maintenant qu'elle appelle, qui parle avec elle. Hein? Ça peut lui donner aussi l'envie de dire ma fille est en Europe. Non, mais les jours qu'elle a passé chez vous, les jours qu'elle a passé chez vous, j'ai aimé la maman quand elle a parlé, elle dit que sa fille. C'est une donneuse, elle donne, elle aide, elle fait ceci, elle fait cela. La maman nous a fait comprendre qu'elle est prise. Mais maman, s'il te plaît. Je vous promets, comme je pars au pays, je vais contacter la maman. J'irai avec elle même peut-être faire les premiers dons. Très bien. Ça déjà, je vous promets que le côté de la maman, je vais arranger ça. Il faudrait que la maman comprenne les réalités. S'il vous plaît, il faut le faire parce que je pense que c'est une question de... Elle ne nous voit pas. Moi, j'ai des tatas qui m'ont reconnu au mariage, qui m'ont dit, mais on te voit sur les réseaux, tu es... Mais tu es encore mince comme ça. Je rigole seulement. Je rigolais seulement. Elles étaient très agréables, elles étaient gentilles. Mais la maman, il ne faut pas que la maman voie ce qu'on présente sur les réseaux parfois. C'est ça. Tout, les gens, les ténébreux, là, c'est les mythos, c'est les menteuses. Elles mentent. La maman doit comprendre que ce n'est pas elle le produit, ce n'est pas elle qui fait ça. Elle ne fait pas commission. Je vais aller voir la maman. Merci beaucoup. On va discuter. On va faire ce qu'on peut faire. Et je vous promets que tout va revenir dans l'ordre. Ah, merci. On compte sur vous. Parce que les mamans, il faut que tout le monde commence à dire les vérités à les parents. Je vous donne ma parole. Je vais expliquer la situation à la maman. Si c'est une maman qui aime vraiment son enfant, elle va comprendre. Okay. Et on va faire ce qu'il faudra faire. On va faire. Il faut qu'elle passe. Si elle vendait la tomate, qu'elle n'avait qu'un cajou de tomate, on va ajouter deux cajous pour qu'elle puisse vendre. Très bien. Ça, je vous le promets. Moi, Pépé, on compte sur vous parce que je pense que c'est une question de compréhension. Moi, j'ai demandé à la maman de patienter, qu'elle reste sur les prières, que Dieu lui donne une longue vie. Thérèse, parce que c'est d'abord une maman qui est croyante. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais c'est une maman croyante. On a injecté les mauvaises idées dans sa tête. C'est une maman qui prie. Mais je ne veux pas qu'elle entre dans le système de que Banganté, non. Sa fille aime tout le monde. Sa fille aime tout le monde. Donc, moi, je vais parler avec la maman. Et je vous promets, je vous donne une promesse que tout va se remettre dans l'ordre. Et Nicole va arrêter de faire les directs pour parler de ça. Comme on parle de ça aujourd'hui, on va sensibiliser maintenant pour d'autres personnes. Mais le sujet, si, moi particulièrement, je parle de ça aujourd'hui puis je ne vais plus parler de ça. S'il faudrait parler de ça, je vais parler ça à l'extérieur. C'est mieux. Il faut que Nicole, qu'elle arrête. La maman, si la maman aussi patiente, que sa maman n'ouvre pas le porte pour le diable d'entrer chez elle. Je vais parler avec la maman et j'irai au Cameroun voir la maman. Je vous promets déjà que je vais voir la maman. Ça, je ne discute même pas. Je vais voir la maman. C'est ça qui est ça. Ah, merci beaucoup. Il faut qu'elle comprenne. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que patiente, c'est la patience et bonne santé. Si Dieu lui donne une bonne santé, même à 80 ans, elle aura une belle vie. Donc, mais ne soit pas pressée. Quand elle est pressée, si l'enfant aussi tombe là-bas, meurt, elle aussi elle va pourrir comme ça. Je dis toujours aux gens que moi, j'ai une histoire en France. Donc, je me fie à mon histoire souvent pour résoudre certains problèmes parfois. Donc, elle va comprendre. Ah, merci beaucoup, ma pépé. De rien. Okay.
Merci beaucoup à toi aussi. Des bisous et bonne soirée à tout le monde. Merci. Ouais. Excusez-moi, je ne peux plus prendre des gens parce qu'il faudrait que moi, je suis une femme terriblement en couple. Pas mariée, mais en couple. Donc là, il va être... Il est déjà 20h, le journal passe déjà. Et il faut que je passe à manger. Alors, je fais comme ça un gros bisou à ma belle-sœur Star Messan, la femme terriblement mariée devant les dieux. Les dieux et les hommes. Mm-hmm. C'est ça qui est ça. Donc, je vais faire comme toi, ma BS. Je vais aller faire manger parce que je cherche le mariage. Moi, je cherche moi le mariage. Je ne fais pas le plan. Moi, je cherche. Quelle est la femme qui dit qu'il ne veut pas être madame? Moi, il veut être madame. Ma mère veut préparer pour mon gars. Donc, je vais dire comme ça à Nicole. Ma fille, Nicole, tu m'as blessée aujourd'hui. Tu m'as blessée au cœur. J'ai vu ton direct, tu pleurais. On voit quand même que tu forces, que tu es une femme, tu es une petite femme forte. Mais ma fille, ne fais plus ce que tu as fait aujourd'hui. Ne le fais plus. On ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde, mon enfant. Ne donne pas le fouet à l'ennemi de nous fouetter. Maman a un peu déconné, oui, mais la mère a toujours raison. L'enfant n'a jamais raison devant la maman. La maman va toujours avoir raison. Même si c'est quoi, même si c'est comment, la mère a toujours raison. Et tu ne peux pas faire le bras de fer avec ta mère. Non. Si je te dis que oui, fais le bras de fer, c'est qu'il faut me détester. Ça, je te le dis sincèrement. La maman reste la maman. La maman, il y a les mamans qui maudissent les enfants. Qui va te traiter de tous les noms. Moi, ma mère, j'ai dit ici que ma mère et moi, on se chamaille souvent. Si je vous dis que je. Il y a un moment, il me fâche comme ça, on n'entrait pas. Il dit que je vais te raccrocher, hein, je vais te raccrocher. Bam, on se coupe en même temps. Bam, elle me raccroche, je raccroche aussi. J'appelle mon petit frère, il dit mon petit frère que tu vois. Je pleure. Il dit mon petit frère que tu vois ce que ta mère vient de me faire. Il appelle ma mère, lui qui est mon petit frère, il appelle ma mère, il chauffe. Il dit, elle dit, va te faire foutre, toi et ta soeur, elle vous manipule, elle rapproche. À mon petit frère, il me dit que, il m'appelle aussi, il me dit qu'il vient de choper ta rémé. Est-ce qu'il a le droit? C'est parce que c'est normal. On a le droit de montrer notre mécontentement à nos parents, mais pas en live. C'est vrai que vous, les jeunes, là, vous avez le sang qui chauffe un peu. Mais l'enfant a le droit de se fâcher aussi avec son parent. L'enfant a le droit de se fâcher avec son parent. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Moi, ma mère, j'ai bouffé les réunions de 5000 euros. Comme ça, j'ai donné à ma mère que premier voyage, quand, après qu'elle soit venue en France, moi, je n'étais pas encore parti au pays. Je lui ai donné comme ça 5000 euros. Tiens, va au pays. J'ai bouffé une tontine. J'ai donné. J'ai toujours donné à ma mère. Moi, j'ai toujours donné à ma mère. Mais il y a des moments quand on se fâche, quand on se chamaille là. Elle me dit, tu m'as donné quoi? Est-ce que tu peux payer le mot que toutes les mamans nous disent toujours? Tu peux payer le temps que j'ai pris pour te porter 9 mois? Le temps que j'ai pris, le risque que j'ai pris pour t'accoucher sur la table d'accouchement, c'est le mot que tous nos parents nous disaient toujours. Parce que tu ne peux jamais payer ça. Le fait que tu es mise au monde. C'est vrai que on a une autre mentalité souvent, qu'on veut dire, oh, ah, et puis quoi? Moi, j'ai dit souvent ça à ma mère. Il y a des moments où je dis à ma mère que je ne suis pas ton enfant, m'a changé à l'hôpital. Mais 2 jours après, dès qu'elle m'appelle là, c'est comment on parle encore comme si de rien n'était. Mais sauf que les mamans Android et les réseaux sociaux, moi, j'ai la chance que ma mère n'est pas sur les réseaux. C'est le rapport qu'on peut lui donner. Ce sont ses soeurs qui partent lui dire. Parfois, on appelle ses soeurs. On lui dit que, oh, ta fille a fait un direct pour dire que. Elle me dit que, moi, tu as encore fait quoi là-bas? Tu as parlé de moi là-bas encore, quoi. On dit, ma mère n'est pas sur les réseaux. Parfois, on voit sur YouTube, on lui envoie. Donc, Nicole, le conseil que je vais te donner, c'est que maman ne comprend pas. Mais je donne ma parole ici que j'irai voir maman sur place. Je vais lui expliquer. Et elle va comprendre. On va parler à maman. Je vais donner des conseils à maman. Maman va comprendre. On va trouver un terrain d'entente. Et je te prie, je te supplie de ne plus faire des directs par rapport à ça. Laisse
Ce qui est sûr, c'est que voilà une arme déjà avec laquelle on va chercher à te détruire. Et tel que je te connais, je te fais confiance, sois forte. Ne tiens pas compte de tout ça. Toi seul, tu sais, dans ton cœur. Moi, je ne sais pas la façon que tu portes ta mère dans ton cœur. Je ne sais pas. Il n'y a que toi. Donc, à toi de protéger ta mère et à ta mère de te protéger. C'est tout. Parce que ta mère va te dire, je t'ai porté. Tu peux me rembourser ça. Et elle te gagne. Elle te gagne quand elle dit ça. Ma fille Nicole, calme ton cœur. Tu as un bébé à bas âge. Concentre-toi sur ta fille. Nos parents en Afrique ne comprennent pas. Ma mère, aujourd'hui, quand je pars chez elle, si je vais acheter quelque chose, elle me dit non, tu n'as pas assez. Pourtant, c'est avec un grand plaisir. Nous qui avons la chance encore d'avoir nos parents vivants. Si ta mère ne te dérange pas, qui va te déranger? Il n'y a qu'elle pour te déranger. Prends sur toi, maman. Prends sur toi, ma fille. Laisse comme ça. Mais je vais arranger cette situation. Le Saint-Esprit va descendre à moi. Je veux parler. Je vais parler à la mère. Vous allez vous expliquer. C'est rien, ça. Ça c'est un petit problème, ça. Donc, je vais dire comme ça, merci à toutes ces personnes qui ont assisté à mon direct. Moi, j'ai eu un mariage sur 2 jours. Et vous savez, les après-mariages, là, il faut que je fasse à manger pour mon doudou. Il faut qu'il mange. Hein? Il faut que je prépare pour mon doudou. Hein? Et pour le mariage, on va faire le Congo, ça même demain. Je vais vous raconter les oiseaux de mauvaise augure qui étaient là-bas. Les gens qui ont fait les directs, ils disent, quand je vais te voir, mais wabouap, mais wabouap, mais wabouap. Ils vont dire, maintenant qu'ils étaient au mariage, ils ne pouvaient pas me taper au mariage. Mais ce n'est pas grave. Ils étaient là-bas. Les soros. Quand c'est fini avec un homme, même chez ses cousins, même chez ses amis éloignés, je ne passe pas. Je ne passe pas. Quand c'est fini, c'est fini. On m'invite même, je ne viens pas. On m'invite, je ne viens pas. Si je sais seulement qu'il y a un lien de parenté avec mon ex, Anoficam, continue à pleurer les gars. Jusqu'à vous venez dans leur mariage. Moi, quand j'ai fini avec un gars là, c'est surtout si on s'est séparé dans des conditions de cascade, hein. Je ne m'approche pas de... Si je m'approche, c'est que j'ai encore espoir qu'un one day, on peut arranger. Mon frère, tu venais au mariage là que... Tu es encore avec mon gars. Tu venais chercher quoi au mariage de sa famille, de son oncle, de son père. Hein? Je vais faire un direct pour ça. Pour montrer comment est-ce que le ridicule a foutu le camp chez vous. Vous avez... T'as-tu, vous avez donné la honte au chien. Moi, on m'invite à un anniversaire, à un mariage. Je viens avec un gars. Je ne viens pas avec ma copine, avec mon gars. Tu sais comment? J'étais terriblement avec mon doudou. On était comme ça, chic. Attendez un peu, je vous vois ici, si on peut voir. Maman, j'étais mon doudou. Hein? Venez où? On était là. Coq. Le goût. Maman, avec mes belles soeurs, andang, 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 vous voyez là. Attendez. Et la petite princesse de Mariba. Est-ce que vous voyez là comme ça? Vous voyez? Pas visible. Vous voyez? Non, on ne voit pas. Attends. On va quitter sur la lumière là-bas. Vous voyez là. On ne voit pas. Vous pleurez de l'année. Vous voyez là. Vous voyez le couple de l'année. Les intrus, ils étaient là-bas. Ils sont bien là-bas.
Les intrus étaient là. Ils sont venus. Et pleurer le gars. Là, ils ont mes statues. Là, mon doudou. On était là-bas. Là. Mon gars était beau comme le poisson de loupé. Attendez. Aïe! Maman! Les pleurs! Et t'as mon doudou, on était bien. Donc, il m'a dû faire manger maintenant. Là, il est avec son père. On était ensemble. On déchargeait la voiture. Il m'a maintenant. Il m'a préparé, non? On dit demain, allô? Attends, je vais couper. Oui, je vais couper le direct, je te rappelle. Mais il faut que je fasse le japap. Le japap. Le mariage. Vous voulez qu'on fasse ça quand? On doit faire le japap là. Je dois vous donner le compte rendu. Mamie japap. Sauf que vous donnez ça. Hein? Et vous donnez ça mercredi, non? Hein? Je vais faire un post. Mercredi, je vais vous donner tous les détails. Qui était là, qui n'était pas là. Oh. Bon, je vous aime et n'hésitez pas, si le patron est déjà là, bon, il a laissé sa clé, ok, gros bisous, non, bisous, je vous aime, bisous, non, on coupe, je coupe, à tout à l'heure. Je vais aller mettre... Maman, il faut encore que je nettoie là-bas le poisson. Là. Et on va bavarder maintenant. C'est ça la vie de couple en France. Bisous, hein. On dit mercredi, je ferai un post pour vous parler du mariage, de qui était là, de qui n'était pas là. Je vous remercie à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse et que vous le rembourse au centuple. Que le début de votre semaine soit bénite. Bisous. Ciao.